finalement les Mexicains s'emportent du ballon. Le dégagement, anticipation avec Yang Yung-so. Et le Mexique va récupérer le ballon justement. La passe sur le côté droit pour l'équipe mexicaine, le côté gauche de la défense. L'appel de ballon, le joueur mexicain donne le ballon avec Miguel Layun. Miguel Layun pour le capitaine mexicain. La passe en retrait au niveau de la défense mexicaine avec Salcido. Alors Salcido, la passe sur Miguel Layun. Miguel Layun, la combinaison qui réussit jusqu'à présent du côté de l'équipe mexicaine. Les Mexicains encore, ils contrôlent le ballon avec le 215 mexicain. Je veux parler de Jesús Gallardo, la passe en retrait pour qui? C'est pour Salcido, la longue passe de Salcido, la passe en avant, mais la sortie du portier coréen, en l'occurrence et Yo Hing-woo, qui est sorti de sa cage pour récupérer le ballon. Et les Coréens vont reporter à l'offensive avec Lee Young. La longue passe de Lee Young à destination de qui? De Song. Mais anticipation de la défense mexicaine avec Gallardo. Avec Gallardo, finalement, le dégagement de Salcido. Anticipation du milieu de terrain coréen. À nouveau, le coup de l'amorti au niveau du genou. La passe, le ballon contré. C'était le 208 coréen. En l'occurrence, Yoo Se-young. Et la rentrée tout s'effectuer. La déviation en aile de pigeon pour la Corée. Mais très bon placement de la défense mexicaine qui arrive à conserver le ballon sur le côté droit, mais les Coréens récupèrent et on se bat comme un beau diable en ce début de rencontre pour la conquête du ballon. Mais finalement il y avait une faute sur le joueur mexicain et ce sera un coup franc pour les Mexicains. La faute commise par Lee Young, le 202, sur le joueur mexicain, en l'occurrence Irving Lozano, c'est lui qui avait marqué contre la National Mannschaft. Oui. Et puis le ballon pour l'équipe mexicaine avec Miguel Layun. Il trouve en retrait son partenaire Salcido qui s'appuie sur Jesús Gallardo. Gallardo, l'appel de balle du capitaine mexicain qui tourne sur lui-même. Puis au marquage pour deux joueurs coréens. Finalement, il y a une faute. Ce sera un coup franc rapidement botté pour l'équipe mexicaine avec Lozano sur le côté droit de la défense coréenne. Contre de faire une passe en retrait. L'appel de balle sur le côté droit avec Miguel Layun. Et finalement, il arrive à récupérer le ballon. Le Mexique à l'offensive, elle trie le ballon pour le capitaine mexicain de l'intérieur du pied gauche. Il trouve en soutien son partenaire, c'est Lozano. Mais le tacle de Lyon est déjà un duel qui est annoncé entre le 202 et sud-coréen qui répond au nom de Lyon et puis Lozano parce que le Mexique joue en 4-3-3. Ou bien tu l'as là. Exactement, et Jean-Louis, voilà, Lozano c'est peut-être le meilleur joueur équipe mexicaine. Surtout qui gagne un pile déséquilibre, qui gagne un goal tout, qui a une capacité de déséquilibre. Donc à partir de ça, nous connaissons des fois que souvenir de nous. Surtout qu'il n'y a pas de doit aller là jeudi à jusqu'à présent et qui est là, qui a présenté le bon spectacle. Voilà Andrés et Godados qui a sur le ballon, mais tout comme aussi le 207 Miguel Layun sur le ballon pour l'équipe mexicaine avec une trajectoire rentrante. Attention, on va voir ce que ça va donner. Le coup de tête de la défense sud-coréenne avec Yang Yung-so, le dégagement, mais attention, bonne anticipation du défenseur mexicain et la passe en hauteur pour le portier Guillermo Ochoa. Qu'est-ce qu'il fait? La petite passe sur son partenaire, en l'occurrence Edson Alvarez, le Mexique qui va repartir à l'offensive. Les Mexicains, notamment le capitaine mexicain, la passe hasardeuse du capitaine mexicain, finalement il hérite du ballon, le bas en retrait sur Miguel Layun, l'équipe mexicaine à l'offensive, le ballon sur le côté droit. Attention, l'accélération du joueur mexicain, le crochet qui réussit, beaucoup de joueurs pour sud-coréens dans leur propre moitié terrain. Finalement le Mexique arrive à conserver tout le ballon sur le côté gauche maintenant avec Lozano qui va tenter le débordement et puis au marquage par le sud-coréen Lee Young, le crochet et la faute et ce soit un coup franc au profit des sud-coréens puisque c'était Lozano qui avait commis la faute sur le défenseur Yang Yung-so et ce sera un coup franc pour l'équipe sud-coréenne et c'est le portier sud-coréen probablement qui s'apprête le ballon qui a été mis en vie rapidement pour l'équipe sud-coréenne avec Kim Min-woo qui pourra soutenir son partenaire et le ballon contré, notre prochain pour les sud-coréens, le ballon qui a été contré par le capitaine mexicain, en l'occurrence le 219 et ce sera le Guardado, le 218, le ballon pour, il y a eu faute, c'est ce qu'indique l'arbitre serbe. Et ce soir, en fonction pour le Mexique, il y a eu jeu de main probablement de Song, le 207 sud-coréen.
et coup franc pour le Mexique. Ballon en jeu là sur le côté droit de la défense mexicaine. Maintenant, le Mexique avec Salcido. Salcido qui écarte sur son porteur de la défense. On lui retourne le cuir. Salcido qui contrôle le ballon. Salcido. Voilà pour la sélection mexicaine de football. Le ballon sur le côté gauche. La petite passe en avant. La déviation qui réussit. L'appel de balle de Lozano. Lozano, attention. Le centre. Danger pour la Corée du Sud. Mais quelle amortie. Le ballon toujours pour le Mexique. Est-ce que la fin se tend encore? Non. Il fait crochet en sortant, crochet rentrant. Le crochet maintenant à nouveau. Le centre de l'intérieur. Non. Il garde toujours le ballon. Attention. Est-ce que la ville connaît là? Oui, finalement. Il l'a cherché et il l'a trouvé. Le joueur mexicain. Et ce sera corner à l'avantage de l'équipe mexicaine. Il y avait au marquage latéral gauche sud-coréen. En l'occurrence, King Ming-Lu, le 212. Et ce sera un corner pour le Mexique. Deux joueurs sud-coréens déjà. Et c'est pas le corner. Le corner qui va être voté. On a regardé le 203 mexicain, Carlos Salcedo. Salcedo qui est monté aux avant-postes. Et qui va voter le corner? Est-ce que c'est Miguel Layun? Oui, on attend voir. Le 221 mexicain est aussi monté aux avant-postes. Il répond. Voilà. Le corner qui va être botté, pas beaucoup de mouvement, mais attention, depuis ballon en l'air, on peut aller en pile déplacement. Entre temps, les défenseurs sud-coréens se placent. L'arbitre serbe vole avec les deux joueurs, notamment le Mexicain et puis le joueur sud-coréen. Pour avoir le corner botté, le coup de tête guidé de la défense sud-coréenne. La contre-attaque, maintenant il y a faute. Le principe de l'avantage, l'arbitre fait signe de continuer. Le ballon en profondeur pour le joueur sud-coréen, mais le tacle du défenseur mexicain. Et c'était Lozano qui était venu prêter main forte à sa ligne défensive. Et ce sera une retraite touche pour la Corée du Sud, mesdames et messieurs. C'est au bout portant pour les deux équipes jusqu'à présent. Le ballon pour l'équipe sud-coréenne dans le camp mexicain. Le joueur sud-coréen Moon Si-Hong-Min. Moon Si-Hong-Min qui va tenter le débordement. Toujours pris au marquage. Le ballon contré. Les Mexicains vont repartir. Il y a faute. Ce sera un coup franc pour le Mexique. La faute commise sur le capitaine mexicain. Et ce sera un coup franc pour l'équipe mexicaine de football. Jusqu'à présent, 0 but partout. Une courtoisie de la présidence ONA Honda, institution chrétienne d'Haïti, Haytrack, DGI, EDH, BNC, Peroseram, Top Towers, Ofatma, Keolito, Kasami et puis César, le centre du savoir académique d'Haïti, Kishita Koli, Dema 83, au numéro 33. Le ballon pour l'équipe mexicaine avec Carlos Salcedo. Salcedo qui écarte pour Miguel Layun. Miguel Layun qui traverse la ligne médiane. En profondeur, la déviation qui réussit. Le Mexique avec Hernandez. Mais très bon placement de Lyon pour l'équipe sud-coréenne. Mais l'arbitre serbe accorde un coup franc. Puisqu'il y avait une faute sur Andrés Guardado. La faute commise sur Guardado, le capitaine mexicain. Oui, il y avait obstruction sur Andrés Guardado. Ce coréen qui a fait un match très physique. Il a commis déjà un pile faute. Mais quand même, j'ai 10 minutes de match là. Ce coréen qui a commis un pile faute. Pas mal de 6 fautes déjà côté Corée du Sud. Il est là, il montre que il est venu chercher un bagage face à l'équipe mexicaine. Ils sont beaucoup plus agressifs que lors de leur dernière sortie. C'était face à l'équipe suédoise. Le coup franc qui va être botté, le portier sud-coréen, Yong Eyongwu, qui place le mur. Et Miguel Layun, justement, c'est lui-même qui sort tout coup franc pour l'équipe mexicaine. Donc voilà, Miguel Layun, le coup franc qui va être botté. Non, l'Ifeli sur le côté gauche, là de l'intérieur. Du pied gauche, le coup de tête du défenseur sud-coréen, c'est pas Lyon corner. Le coup de tête était de Lyon, c'est pas Lyon corner à l'avantage de l'équipe mexicaine. Et là, Rubens Pesimita là son set play. Au lieu de faire trajectoire, maintenant il joue sur le côté droit. Généralement, nous connaissons l'équipe mexicaine, ça a toujours été accordé un pile de temps de travail à balle arrêtée qui souvent qu'on va compter et résultat pour nous. Le corner avec Miguel Layun. Miguel Layun, le corner beauté, le coup de tête du défenseur sud-coréen. Et c'est Yang Yunsu et le ballon qui sort en touche, rentrée touche pour le Mexique. Oui, c'était Hernandez qui était à l'affût. Hernandez, l'avancante de l'équipe mexicaine, axial, puisque il y a joué 4-3-3. Et puis la rentrée touche pour le Mexique avec Miguel Layun. La rentrée touche effectuée. Le ballon toujours pour les Mexicains. La petite passe à l'intérieur, mais la très bonne couverture du joueur sud-coréen. Et finalement, c'était le 212 qui
Kim Ming-woo, le dégagement de Kim Ming-woo, mais le coup de tête du joueur mexicain et ballon sorti en touche. C'est pas lui rentrer touche pour la Corée du Sud. La rentrée touche qui va être effectuée par Kim Ming-woo. Kim Ming-woo qui effectue cette rentrée touche. Attention, il tente l'accélération, mais il n'y arrive pas. Les Mexicains avec Andrés Guardado. Guardado, mais il y a faute à nouveau. Et c'est le capitaine sud-coréen qui vient de commettre la faute, Kim Sung-yong, et sur le 217 mexicain. Et c'est pas le coup franc, la faute commise par Kim Sung-yong. Voilà. Et puis le coup franc pour El Tri, le Mexique, hier soir. Et joueur mexicain qui est sorti dans l'hôtel. C'est plutôt capable de remercier les fanatiques et mexicains qui ont dit ça. Donc vraiment, nous souhaitons un bon plaisir là avec les fanatiques. Et vraiment, petite salutation, du confort avant cette rencontre de football. Les fans mexicains sont très attachés à leur sélection. Et puis, le coup franc, Miguel Lahin sur le ballon pour le Mexique. Attention, et Carlos Salcedo. Et dans la surface de réparation, beaucoup de mouvements. Miguel Lahin, le coup franc beauté pour le coup de tête. Le ballon qui passe à côté. Et ce soir, une remise de 5m50. C'était et Hernandez qui m'a déjoué partenaire lieu pour tout faire bloc là, pour tout faire pressing là. On voit le coup franc beauté par Miguel Lahin. Le coup de tête et ça n'a rien donné. Le ballon qui est sorti. Remise de 5m50 pour l'équipe sud-coréenne avec le portier Young et Young-woo. Hernandez sur notre petit écran. Et c'est justement le dégagement effectué par le portier Yo Eong-woo. Attention, le Mexique va récupérer maintenant. Ce sont les Sud-Coréens qui s'emportent du ballon. L'accélération du joueur sud-coréen. Il écarte sur le côté droit. La défense, attention. Et passement Johnson. Song, le centre en retrait. Possibilité d'ouverture du score. Oh là là, le dégagement, le ballon qui a été contré. Le dégagement de la défense mexicaine. Vraiment. Et première grosse occasion pour cette rencontre de football. Et c'est le 222 mexicain qui est resté au sol. Irving Lozano. Voilà qui côté Irving Lozano sorti pour venir couvrir. Alors pour écarter le danger, on voit son. Il fait passe mon jambe 1-2. Et puis il fait saut en retrait. Et puis Lozano qui retourne d'une prêter main forte à la ligne défensive de l'équipe mexicaine. Vraiment, c'est un très beau geste de la part de Lozano. On était l'intervention sur laquelle le premier but. C'est ça, nous capables. Pour lui et toute équipe là, tout le monde, tout le monde connaît que le ballon fait tout le monde travaille pour l'équipe de lui. Et là, il y a l'impression que si je pas arrivé, c'était une occasion de lui qu'il t'a bien regardé à Chongwe. Ouais, on a parlé de nos attaquants, de Elie, qui l'a dernière phase dans la carrière, a venu participer au travail de récupération. C'est vraiment bon signe pour l'équipe mexicaine. Voilà, le ballon en retrait pour le portier mexicain Ochoa. Lozano qui s'est relevé, plus de peur que de mal pour le joueur du Mexique. Et les Mexicains vont repartir à l'offensive avec Carlos Salcedo. Carlos Salcedo qui est quand sur le côté gauche pour Jesús Gallardo. Gallardo, le 123 mexicain. Encore une fois, le Mexique qui monopolise le ballon, toujours dans leur propre moitié de terrain. La passe sur et sur Carlos Salcedo. La longue passe de Salcedo sur Lozano. La moitié de la poitrine, mais mauvais contrôle. Mais quand même, ce sera une rentrée-touche. Un mauvais contrôle de Lozano. Rentrée-touche pour l'équipe mexicaine de football. L'entrée-touche effectuée rapidement sur le ballon. Sur le ballon avec Andrés Guardado. Il est sur le côté droit. Il va trouver un appui. Je parle de Miguel Lahin, le dribble qui réussit. L'appel de balle à nouveau de Andrés Guardado. Guardado contraint de faire une passe en retrait sur son partenaire Carlos Salcedo qui écarte sur le côté droit. Le Mexique à l'offensive. Attention, Guardado, ballon là, toujours à jouer pour l'équipe mexicaine de football. Le marquage dans le camp sud-coréen. Attention, le Mexique à l'offensive. Le pressing qui s'est révélé payant du côté des sud-coréens. La contre-attaque avec Lee Hae-sung. Le ballon, attention pour le 208, Yuseyung. Yuseyung, mais il s'est fait subtiliser le ballon puisque le Mexique récupère avec le capitaine Andrés Guardado. Guardado en retrait pour son porteur de la défense. En l'occurrence, Carlos Salcedo.
Salcedo. Carlos Salcedo, la petite passe de l'intérieur du pied droit sous son partenaire du milieu. L'équipe du Mexique avec Andrés Guardado maintenant. La déviation, la combinaison, la passe instantanée. Le Mexique qui tente de monopoliser le ballon. 70% de possession contre 30 pour la Corée du Sud. L'appel de balle sur le côté de Miguel Layún. Justement, il hérite du ballon. La passe en retrait. Miguel Layún en déviation. Le Mexique maintenant. Toujours le ballon pour El Tri. Avec qui? Andrés Guardado. Andrés Guardado. La passe de l'intérieur du pied gauche de Andrés Guardado pour Héctor Herrera. Herrera. La déviation de Hernandez sur le côté droit pour l'équipe mexicaine. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Et Hernandez fait appel de balle. Non. Le Mexique toujours. Il compte. Les Mexicains conservent le ballon. Il fait passer en retrait sur Andrés Guardado. 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 Qu'est-ce qu'il fait? Guardado tente de s'infiltrer. Est-ce que la fait louche? Non. Il va écarter sur Lozano. Lozano. Lozano Cunha qui peut provoquer duel. Ça ne tape rien. Ce duel à distance pour ballon contré. C'est pas le corner à l'avantage de l'équipe mexicaine de football. Belle phase de jeu avec une très bonne possession de balle pour l'équipe mexicaine. Est à là. Ouais, l'équipe mexicaine qui encore une fois a montré supériorité. Il a gagné non seulement sur le plan technique en faisant circuler le ballon, mais en plus de ça tout, façon yo l'ouvrir et façon yo mettre disponible capable de faciliter la circulation, vraiment c'est une très bonne équipe. Mexique. Voilà le coup de tête de Salcedo et puis le ballon qui va trouver les bras du portier coréen Yong Eyong-woo. Yo Eyong-woo, le 223 qui avait disputé une très bonne rencontre, c'était face à la Suède, on se rappelle, et bien il fait circuler le ballon à l'intérieur de sa surface de réparation et le poil fait un dégagement, c'est ce qu'il fait le portier sud-coréen Yo Eyong-woo. Le coup de tête du joueur mexicain, le ballon finalement récupéré par José Yong-Yong, l'appel de base de Lee Yong. Sur le côté droit, Lyon qui retourne le ballon à José Yong. José Yong en retrait. L'équipe coréenne qui essaie de monopoliser le ballon. Mais attention, la Corée du Sud à l'offensive avec Moon Seong-min. Moon Seong-min, la passe en avant. Toujours pour l'équipe sud-coréenne. Il va tenter le débordement, mais il s'est fait subtiliser le ballon. La passe de l'intérieur du pied gauche pour Hernandez. Il n'y a pas position avancée, mais la sortie du portier et sud-coréen Yong Eong-woo pour écarter le danger. Puisque le joueur mexicain était à la fuite. Il n'était pas en position avancée. Très bonne passe de Andrés Guardado. Très bonne lecture. Une passe de 30 mètres de Andrés Guardado. Finalement, c'est lui qui hérite du ballon pour El Tri, le Mexique à l'offensive. La passe de Carlos Salcedo sur son partenaire de la défense. On lui retourne le tir. Carlos Salcedo qui conserve le ballon. Le Mexique avec Héctor Herrera. Encore une fois, on lui retourne le ballon. Cette fois-ci de l'intérieur du pied gauche. Le coup de tête du joueur coréen. C'est Hong Kong. Et puis le ballon qui probablement va sortir maintenant. Le Mexicain fait une passe en retrait à destination de son portier Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa, tranquillement, il s'appuie sur son partenaire de la défense. Le ballon toujours pour l'équipe mexicaine avec Andrés Guardado. Andrés Guardado, Guardado, il fait passer en avant pour Hernandez. Chicharito Lia, il joue Guardado. Guardado, l'appel du ballon sur le côté gauche maintenant. On va trouver Lozano. Lozano, le 223. Et justement, c'est Lyon qui devant Lozano. Attention, Héctor Herrera, la déviation qui réussit du côté du Mexique, mais les sud-coréens faisaient bonne garde et le dégagement de la défense sud-coréenne, il n'y a pas faute. Et oui, il y a faute, c'est ce qu'indique l'arbitre chef de cette rencontre, en l'occurrence Mazik Milorad, et c'est le plus normalement du monde qu'il accorde un coup franc à l'équipe sud-coréenne jusqu'à présent. Et Steven Dieudonné, c'est toujours sur le bout pour tout. Il y avait une faute commise sur le 207 sud-coréen, le joueur de Tottenham Son Heung-min. Après 18 minutes de jeu, ce qu'on a toujours 0-0 entre Mexicains et Sud-Coréens. Les guerriers et invaincus pour la formation en sud-coréenne face à les Aztèques mexicains. Attention, ils ont attaqué sur le côté droit là pour la sélection mexicaine de football. Plutôt pour l'équipe sud-coréenne, ils ont centre, mais l'IPAP joue une tête rouge. C'est Pralion en défense équipe mexicaine qui va le dégager. Mexique avec couleur extérieure li, ou encore couleur réserve li, maillot en blanc. Et alors que l'équipe sud-coréenne, maillot blanc, culotte rouge, et puis pour Corée du Sud, maillot rouge et culotte noire. C'est pour le Mexique puisque t'es une faute au départ de
Javier Hernandez, plus moun konnen joueur ça sous nom Chicharito, Sopkal yon relance pour le Mexique, gagné capitaine sud-coréen qui lui-même a parlé en pile, qui sont moins qui lui-même a parlé en pile, défense mexicaine gagné ballon, yon passe en retrait, il a recommencé jouer là, Salcedo qui jouait et Tom Moreno mandé ballon sur côté gauche là, là Mexique passe dans défense à 3, lorsque gagné ballon en pile moun monté, yon passe pour Evan Lozano, Lozano unique buteur Mexique jusqu'à présent dans compétition. Puisque c'est lui qui a marqué goal face à l'équipe allemande lors de premier match, premier sorti, El Tria. Attention, ballon pral joue là pour formation mexicaine. Il recommence dans la défense là. Yandias Guardado qui met disponible que trois joueurs sud-coréen Capvel. Il passe à droite. Formation mexicaine Negel. Il a appuyé sur Yandias Guardado. 150e apparition Lila, 150e match qu'il a honoré sous couleur équipe mexicaine. C'est deuxième Mexicain qui peut caper dans l'histoire. Sélection ça, un ballon avec Andrés Guardado. Guardado prend le jeu à droite, il préfère conserver. Il se passe en retrait, gagné là. Et ça, c'est de qui font monter. Il a besoin sur nom blanc, puisque formation sud-coréenne, lorsque le paquet ballon, il replie dans le col. Il passe, c'est très bien jusqu'à présent pour le Mexique, puisque il n'est pas capable de jouer une blessure défense équipe sud-coréenne, mais il n'a pas gaspillé ballon à tout. Il a fait passer ballon. Déjà, c'est 70% de possession de balle pour Aztecio. Ballon avec Miguel Layoun. Miguel Layoun qui a évolué. Et lui-même en Espagne, ils ont passé mais récupéré par l'équipe sud-coréenne. Bon match jusqu'à présent pour Corée du Sud. Est-ce que va y avoir un jeu jusqu'à présent? Il n'y a pas signalé. Ballon avec Son Heung-min. Son Heung-min contrôle orienté. Frappe gauche, ballon contré. Son Heung-min gagne au bon. Ballon contré. Son Heung-min toujours gagne pour la sélection sud-coréenne. Il a frappé gauche. Finalement, qui passait à côté? Est-ce qu'il te dévié? S'il te dévié, il t'a le corner pour Corée du Sud. Nous prenons suivre pour nous. À ce qu'il paraît sud-coréen, joue un premier corner. Non, rencontre Moussa et Son Heung-min qui te patine deux défenses Corée du Sud et deux défenses équipe mexicaine et il joue une passe là, mais dommage pour lui, finition en pas de bon. Tu as deux joueurs mexicains qui te guettent à tourner et ça permet à eux-mêmes, ils ont bien sorti sur l'action ça. Rubens Vesmita, là ça fait pour la deuxième fois sur contre-attaque qu'ils jouent deux défenses équipe mexicaine. Ouais, normalement, leur projet avec le Mexique là qui venait maintenant vers l'avant. Avec une possession de balle qui allait jusqu'à 70%, ça veut dire qu'on a quitté espace en dos, et avec le 4-4 bien organisé, bien structuré, nous avons été pour du sud-là, l'heure de ballon, le même tout, il veut exploiter l'espace qui gagne dans deux équipes. Son Heung-min pour mettre le ballon sur la surface, réparation, coup de tête, la claquette. Oui, et Guillermo Ochoa. Qui lui-même sauve le Mexique, joue un standard de Liège dans le pays Belgique. Guillermo Ochoa qui fait un claquette ça pour que lui mette ballon ça en corner. Mexique face à la sélection asiatique. Il peut que j'aime qu'on ait défaite face à un pays qui sorti et en Asie. D'ailleurs, il était battu Corée du Sud en 1998. 3-1 et un ballon pour l'équipe mexicaine. Il a sorti avec Andrés Guardado. Bonne passe, bon dribble réalisé par Carlos Vela. Carlos Vela la passe au profondeur. Mais bien lui, non. Quel est le du défenseur sud-coréen? Attention, Miguel Layoun centré. Il vient nous en pas privé. Est-ce que le ballon sorti? Il n'est pas sorti puisque Guillaume Mexique n'est pas essayé avec Hernandez. Il met le ballon en boîte là. Attention, remise de la tête. Non, donc il va hésiter. Danger pour Corée du Sud, défense paniquée. Dégagement final de la défense sud-coréenne. Ballon qui a récupéré par les hommes de Juan Carlos Osorio. Ballon avec Javier Hernandez. Javier Hernandez, l'ancien Madilène. Qui ont senti avec la mesure de pénalty. Pénalty à ce qu'il paraît pour le Mexique, oui. Oui, c'est le 220 sud-coréen. Yang Yong-so. Yang Yong-so. Il tape ses tacles pour qu'il soit capable de couper trajectoire ballon. S'il est vrai, il coupe trajectoire ballon. Mais c'était de façon fautive. Oui, mais il était en l'air. Oui, mais il était en l'air. Centre de Andrés Guardado. Il faut pas plus que c'est Andrés Guardado qui a tiré pénalty ça. Il a l'habitude de transformer en tour de la Velde. Possibilité pour le Mexique. Prend avantage là. 24e minute de jeu. Le capitaine sud-coréen qui s'entretient avec l'arbitre serbe. Et c'est Kim Sung-wang qui t'a parlé ensemble avec Mazik Milorad. Et bien sûr, c'est un pénalty pour Vela, le c'est, Mexique. C'est Carlos Vela, ancien joueur Real Sociedad, qui a évolué lui-même maintenant MLS là. C'est joueur Los Angeles Galaxy Collier. Carlos Vela face
au portier sud-coréen Yo Eung-woo, lui-même qui a ponti de l'eau façon pour lui tirer pression. Oui, il tire pression sur lui, il met tel sur qui lui-même oui. Il avait essayé d'intimider Carlos Vela. Oui, c'est Carlos Vela qui est habitué à Théo. Et bien sûr, pour nous, et qui ça, penalty ça, lui-même, Miguel Bay, entre-temps, gagné directeur de jeu, Amino Radmazic, qui lui-même a rappelé avec le Viper Sud-Coréen pour qu'il soit respecté le principe là lorsque le joueur a tiré un penalty, il n'est pas de déplacer avant, il n'est pas de quitter Etageli. Et joueur toujours sud-coréen, il faut surveiller ou encore éviter empiètement. Et là, il y a un fan mexicain, Carlos Vela. Carlos Vela pour le Mexique. Attention, est-ce qu'elle bon? À contre-pied! À contre-pied, Carlos Vela! Voilà, le premier but de cette rencontre de football sur pénalty grâce à la présidence ONA, Honda, ETRAC, Institution Chrétienne d'Haïti, DGIEDH, BNC, Euroceram, Top Towers, Ofatma, Criolito, Kassami et puis César, le centre du savoir académique d'Haïti, Delma 83, au numéro 33. On voit ce pénalty qui a pris à contre-pied le portier Jo, Yo et Ongou. Et puis 1 pour le Mexique, 0 pour la Corée du Sud. Là, on y a, c'est pas pour l'autre groupe de football, puisque Corée du Sud pas dit tête libre, bon, animal normal, normal net. Donc, il faut me laguer comme nos batailles pour nous, qui ça me café. Normalement, il t'a doué plein. Plus risque, il y a plus d'espace, mais nous connaissons tous des équipes qui disciplinées, qui ont des projets bien définis. Est-ce qu'il y a, tout démarré pour nous, mais faire haute pression pour nous, la petite équipe, la tête de nous, et pour nous, nous, finir. Nous pas qu'on est, mais logiquement, il est obligé pour plus risque parce que le débat du bon match, il y a un 1-0 jour là pour nous. Il a obligation de chercher les joueurs. Voilà, c'est 1 pour le Mexique, 0 pour la Corée du Sud, mesdames et messieurs. But inscrit sur penalty par le 211, Carlos Vela. Et avec Golsa, Mexique passé à 6 points. Notre tête de classement, avec toujours notre tête de classement, vous savez, avec Tikel pour 8e de finale, là, non, mais lui, ça qui tape yon 7e qualification de façon consécutive, 8e de finale pour l'équipe mexicaine. Attention, le ballon avec formation et équipe mexicaine représente contre CACAF là, danger pour Corée du Sud, deuxième goal possible. Hello. Oh non! Miguel Layun. Miguel Layun qui a réclamé corner, à ce qu'il paraît corner accordé à l'équipe mexicaine. Le ballon, t'as dévié dans mes gardiens. C'est lui-même qui t'a fait échec à Miguel Layun, et oui. Et Mexicain qui a pour comment t'es capable de tout faire plier match là. Oui, histoire de se mettre à l'abri. Donc, Mexicain monté aux avant-postes, c'est le cas du 215 Hector Moreno. Deux joueurs mexicains sous ballon, Miguel Layun et Andrés Guardado, ballon soulevé, une très bonne intervention, bonne prise de balle du portier sud-coréen. On ne veut pas de Young Woo. Attention, ballon balancé, mais il peut le capter et par le portier mexicain. Et il y est pour, au nom de Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa qui capte ballon ça pour formation mexicaine. Alors il n'y a pas gagné de long, il joue avec tête lui. Et puis il y a pour faire circuler le ballon. Mais surface de passion avec petit bout de douette là. Donc il fait sud-coréen à lui-même. Il joue ballon ça et sud-coréen qui avant en commission qui n'a pas fait une très bonne préparation. Puisqu'on connaît plusieurs, pas mal de défaites avec arrivé dans la compétition, il n'y a pas arrivé en réforme, il n'y a pas gagné un pile bon joueur qui a besoin de plus haut niveau. Sinon, Eung Minson qui a vu dans Tottenham, nous capable de dire pour formation sud-coréenne, il y a pour comment être capable de représenter jeune Asia et même le Japon comment c'est fait, mais c'est difficile. L'Australie par Akebe, l'Australie qui lui-même a un point seulement, une défaite pour le match contre la sélection et française là, il a fait un match important contre la sélection danoise de football. Est-ce que non, troisième journée, l'équipe australienne, il va être capable de faire une victoire pour qu'elle soit capable de qualifier, espérer tout. Il y a un contre de performance, il y a une mauvaise sortie de, du Danemark. Ballon contré, lui aller en touche, c'est très longtemps de touche puisque non, pour ça, Pérou avec un 0 point déjà éliminé. Longtemps de touche, remise en jeu à l'avantage de la formation sud-coréenne. Entraîneur Corée du Sud là, qui dispute de l'écran, ballon balancé pour Corée du Sud.
C'est compliqué. Yon passe la déviation. Rapap qui est danger là pour le Mexique. Est-ce qu'il va retourner le match d'une égalisation? Très bonne intervention. Mais quel match de la défense mexicaine. Si il était capable de faire match ça face à l'Allemagne, c'est pas là face à Mexique. Pour être capable de perdre en confiance face à Corée du Sud, pardon. Abissa qu'elle a tourné sous action en précédent là. Pour qu'elle soit capable d'accorder faute octroyer coup franc à sélection sud-coréenne. Les guerriers Taïuk, c'est Essudon et Coréen. Et là, ils ont en faute au départ du 211 sud-coréen qui lui-même était allé à terre. Et c'est pas le coup franc. S'il est vrai, lui paraît éloigné et de goal là. Mais il capable de faire mal. Ils ont combinaison, ils ont bon tireur, capable de faire mal à l'équipe mexicaine. Guillermo Ochoa placé Nuli. Toujours 1 pour la sélection mexicaine de football. 0 pour Corée du Sud. Et pour le Mexique, nous disons là, si on est capable de conserver ce qu'on a, ou encore remporter match ça, et quel que soit le résultat, depuis le pas de victoire dans le match, et l'Allemagne là, depuis le pas de victoire pour l'Allemagne, le Mexique a tout qualifié pour les 8e de finale, ça qui a payé une 7e qualification de façon consécutive. Le Mexique, c'est 2 défaites seulement sur 18 derniers matchs qu'elle joué dans la phase de groupe pour Coupe du Monde. Équipe mexicaine, on souffre qui fait ça. Attention! Là aller directement ballon monté tête quand et lui aller dehors, c'est pour qu'on remise à jeu au niveau des 6 mètres. Quelques difficultés techniques, nous espérons être capable de retrouver image et tout à l'heure. Je gagne Adrien et là, réalisateur t'a permis de nous vivre et coup franc ça qui était tiré par Hermanson. Oui, c'est joué à suivre pour Corée du Sud, mais jusqu'à présent qui était mieux. Hermanson, 2 matchs si nous considérons et minutes ça qui a joué le match ça, 31e minute de jeu. Hermanson pour frapper pour la sélection en sud-coréenne de football. Ballon balancé, yon déviation de la tête côté mexicain. Carlos Vela réception de l'intérieur du pied gauche, petite passe sur le côté droit. Là il y a pour jouer sur Miguel Layoun. Miguel Layoun qui a découvert comme arrière latéral droit, mais qui forçait une place comme milieu de terrain. Miguel Layoun qui a joué demi et droit pour équipe et pour formation mexicaine. Là il y a joué en 8 au côté d'Andrés Guardado dans le milieu de terrain. Attention, yon passe en retrait. Carlos Vela qui tournait, vienne participer dans l'élaboration jouette là. D'ailleurs, c'est lui-même qui gagnait devoir pour porter ballon à Aljouen. Il joue un coup à Aviel Hernandez qui s'est meilleur buteur histoire. Sélection ça avec 46 réalisations. Et c'est pour porter ballon tout à Aljouen. Il joue un coup Irving Lozano qui a évolué dans PSV Eindhoven. Il passe en retrait. Défense mexicaine, il a fait circuler ballon. Quelle équipe mexicaine, il gagne là. Il a sorti bien. Il a bien géré formation en Corée du Sud. La petite passe à déviation. Il y a possibilité pour y aller à droite. Andrés Guardado, Pakembel, lui jouer à droite. Passe pas trop bon. Récupération en côté Corée du Sud. Capable de danger pour le Mexique. Non. Debout printemps. Défense mexicaine n'a pas été tourné. Mais il est rapide. Il joue vite. Voilà. Irving Lozano. Yo fois encore. Vient participer. Non. Et phase récupération. Et prêt à aller en contre-attaque pour le Mexique. Non. Et Genvela qui pas trop pressé. Lui conserve le ballon. Petite passe dans l'axe du terrain. Mexicain avec Irving Lozano. En position de milieu. Organisateur. Bonne passe. Aviel Hernandez. À ce qu'il paraît, t'as gagné. Il y a un joueur qui était à terre puisque monsieur mettait ballon dehors. Oui, c'est un joueur sud-coréen qui est resté au sol. C'est le 202, le latéral droit de cette équipe sud-coréenne qui répond au nom de Lyon. Voilà, oui, Lyon qui est resté au sol. Puisque tu es en contact ensemble avec un autre joueur mexicain. Je veux parler de Edson, c'est Alvarez. C'est Jesus Garaldo, 223, qui est arrivé, qui a joué sous couloir gauche, équipe mexicaine. Non? Donc il est resté au sol. Et tout à l'heure, moi, j'ai souri, j'ai regardé l'équipe défense, équipe mexicaine à 3, le Ligue 1 ballon. Moi-même, je ne dis pas qu'il sourire, parce que comme c'est le football, je dois sourire. Mais cependant, m'a songé et dans bon temps nous. Mais non, t'es qu'on nous fait ça. Moi, si j'étais qu'on défense à 3, qui t'es gagné Mouni, qui t'es gagné 10 César, qui t'es gagné Anderson Lawrence, et puis qui t'es gagné, t'es sa sélection retour au stade là, qui t'es gagné et Montilas dans notre jeu, ça me garde à doit faire. C'est lui, Montilas, c'est toujours qu'on fait. Donc, ce qui sont là, t'es qu'on facilité pour 3 monsieur Sao, sorti ballon, et puis Patrick Nathalie Luce à gauche, et puis Roosevelt Désir à droite. Donc, ça veut dire que c'est des choses que nous faisons, mais tellement il y a un problème d'organisation de notre football et puis apport financier qui pas qu'à gagner au niveau du secteur privé fait que comme si ça fait que nous-mêmes n'avons souri là, mais
bagaille ça nous fait déjà. Donc moi même il pas qu'à étonner et le même gars d'état l'homme et Steven qui parle les gens monsieur place effectivement il avait raison mais souvenir qui ça dans tête moi c'est uniquement c'est Bruni et dit Enzo avec Charnet Central ça qui était là dans notre stade pour l'équipe haïtienne. Maintenant vraiment je pensais que gagner matériel là matériel et humain nous gagner là ressources humaines là il faut que nous continuions et dégager pour organiser nous pour nous produire football pas oublier que équipe mexicaine n'a pas gardé là c'est dans zone nous lié voilà. Donc si nous voulons aller à la Coupe du monde il faut que nous jouions avec le gagner voilà on continue et il y a la Coupe du monde de 2022 au Qatar qui lui-même en vue et donc équipe nous gagne obligation pour qu'on capable faire un effort en plus j'ai que coach là Itala saute mentionné lui nous gagne potentiel à la cano et n'a pas gardé un joueur comme Steven Sabat dans violette on a regardé et un joueur comme milieu de terrain tempête la sous rappel dans le coach qui lui même tout et nous veut pas de Jimmy Ordena nous gagne joueur qui capable lui même et porter et grand chose mais nous manquons tout Jacques dit là au niveau d'organisation au niveau de gestion nous besoin monde nous besoin monde qui pour prendre tête sélection capable dit la défendre et c'est Haïti qui la défendre tout temps en suivant qui ça action ça prend le bail un centre qui ballon lui est repoussé par la défense mexicaine mais ça pas marché côté Corée du Sud et le Mexique a baissé sorti dégagement ballon contré intervention ballon en l'air pour le gagner Carlos Vela qui mettait la terre oui là le petit assist technique là il me par contre je ballon en l'air Carlos Vela baissé conservé Carlos Vela on passe en route c'est très bien joué côté Mexique Jesus Gallardo Juan de terre passe de l'extérieur du pied droit Lijal cherche Juan dans zone Miguel Layoun réception de l'intérieur du doigt centre de Layoun bien joué défense là il joue dans défense là tête tourné li écarté danger ballon dégagé au niveau de la défense sud-coréenne mais mauvais dégagement ballon aller en touche oui quel match de Hector Herrera définitivement équipe mexicaine qui a montré nous une richesse tactique côté que gagne en pile mobilité gagne en pile mobilité gagne en pile disponibilité nous voit que gagne en pile mouvement Vela qui nominalement c'est lui même qui a joué dans couloir droite là et par moment il rentre dans milieu dans terrain et l'entrée dans milieu terrain nous voit la une lui même c'est lui même qui bouge à l'occuper espace ça et dans football c'est ça au niveau et je dis nominalement capable de prendre nos positions mais faut que tout le monde fait toute bagaille pour 6 ans dans moment où une jeune nous occuper nos postes qui pas poste habituel loi et capable de résoudre tout problème que vous jouez dans le moment. Voilà, donc le ballon pour l'équipe mexicaine de football, la passe instantanée de Andrés Guardado à destination de Lozano sur le côté droit de la défense, mais il y avait faute. Il a commis la faute, c'est Carlos Vela. Il avait commis la faute, c'est ce qu'on appelle l'interpénétration. Une entrée, allons de l'autre côté, l'autre a même changé. Donc équipe l'a arrêté, même genre, cette équipe mexicaine de football. Et puis le dégagement du portier sud-coréen, Yo Eyong-woo, ballon sorti en touche. Un pour le Mexique, zéro pour... Et on a regardé la Osorio, Juan Carlos qui m'a dit Itala fait ligne, fait bloc là beaucoup plus compact que l'on a attaqué parce que pour être capable de gagner plus pour nous arriver et l'on a défendu pour capable de gagner moins d'espace pour être capable de faire travail là beaucoup plus difficile pour l'équipe adverse. Voilà, ballon là pour l'équipe mexicaine de l'intérieur du pied droit, ballon à joindre Miguel Lemay, mais il y a une bonne présence du défenseur sud-coréen Kim Ming-woo et ballon sorti, rentrée touche pour le Mexique rapidement effectué pour qui c'est pour Salcedo qui contrôle le ballon pour la sélection mexicaine. N'a pas que appel de ballon pour le fait avec Andrés Guardado, mais finalement joue à Moreno qui a tenté, il joue avec Andrés Guardado. C'est lui le dépositaire du jeu mexicain, c'est lui qui donne le tempo. Encore le centre pour Hernandez, ballon dégagé par la défense sud-coréenne et finalement les sud-coréens n'arrivent pas encore puisqu'il y a le pressing, l'hypothèse ballon bas joueur mexicain, mais heureusement pour les sud-coréens, le ballon sur le côté gauche avec Kim Ming-woo, la passe à destination de Wang Yi-Chang, attention pour cette égalisation. La très bonne sortie du portier mexicain Guillermo Ochoa. Et ballon sorti, c'est pour Lyon Corner à l'avantage de l'équipe sud-coréenne. La longue passe de Kim Ming-woo à destination de Wang Yi-Chang. Et puis, il fait contrôle là trop longue. Et puis, ça a profité au portier et Guillermo Ochoa. Au revoir.
Très bonne sortie de Guillermo Ochoa, le portier mexicain. Le corner qui fait tout beauté par Sung Eung Ming, le 216 joueur de Tottenham qui s'apprête à botter le corner pour l'équipe sud-coréenne. On va voir ce que ça va donner. Attention, Sung, le corner beauté par le 207, le coup de tête raté et des deux joueurs et ballon finalement. Le ballon ne sort pas. Le joueur sud-coréen récupère avec c'est Kim Wong-gong et le centre, mais le coup de tête de la défense mexicaine. Deuxième balle pour les sud-coréens. Mais à nouveau, regardez-moi cette passe de l'extérieur du pied droit. À nouveau, les Mexicains tentent de récupérer. Finalement, ils arrivent à conserver le ballon. Avec qui? Avec Guardado. Guardado, le joueur mexicain, il calme le jeu. Il calme le jeu. Le renversement sur le côté gauche de la défense, le côté gauche de la défense mexicaine. Avec le dossard 23, en l'occurrence, Jesus Gallardo. Gallardo met un mauvais contrôle de Jesus Gallardo. Ça profite à l'équipe sud-coréenne. La passe en retrait pour Kim Sung Wang pour Kim Ming-woo. La passe, mais anticipation du joueur mexicain. Le ballon qui ne sort pas, mais la passe en retrait pour le 208 sud-coréen. En l'occurrence, Yoo Se-young. Et le dribble et ballon sorti. C'est pas le rentrée touche. Le 200 sud-coréen, Yoon Se-young, ballon sorti. Rentrée touche déjà. La 40e minute de jeu au cours de cette rencontre de football. 1 pour le Mexique, 0 pour la Corée du Sud, mesdames et messieurs. Le ballon pour Yang Yong-soo. Le but a été inscrit sur penalty pour Carlos Vela. La Corée du Sud à l'offensive. L'appel de balle sur le côté droit avec Lee Young. Mais la passe était trop forte. C'est vrai que le ballon, la passe doit être faite dans le sens de la course du demandeur. Mais faut qu'il parle font l'autre sprint tout. Il n'est pas en athlétisme. C'est vrai que l'athlétisme est la base de toutes les disciplines sportives. Mais cependant, faut qu'on balle ballon pour le capable, pendant un sens course-là, pour le récupérer. Et ça n'a pas marché pour l'équipe sud-coréenne. Et ce sera une rentrée touche pour les Mexicains avec Jesus Gallardo. Gallardo qui effectue cette rentrée touche. Il s'appuie sur Lozano. Puis au marquage pour deux joueurs sud-coréens. Ballon sorti. Rentrée touche pour. C'était Hernandez qui était au marquage. Donc ballon sorti. Rentrée touche pour le Mexique. Le ballon à destination de Edson Alvarez qui s'appuie sur son partenaire. Je veux parler de Carlos Salcedo. Salcedo pour Moreno. Moreno sur Carlos Vela. Carlos Vela qui pique dans l'axe. Carlos Vela, le crochet qui réussit. Est-ce qu'il y a faute? Oui, il y a faute sur le joueur mexicain. Rapidement, le ballon qui a été mis en vie. L'équipe mexicaine qui va repartir à l'offensive. Carlos Vela qui tente de passer. La passe de la déviation qui réussit. Le Mexique à l'offensive. Attention, dans le camp sud-coréen. Le dégagement de Kim Ming-woo. Ballon sorti en touche. La rentrée touche pour le Mexique. C'était sur l'infiltration de Carlos Vela. Les Mexicains dans leur propre moitié de terrain avec Salcedo. Salcedo qui est contre pour qui? Pour son partenaire de la défense. C'est Alvarez. Alvarez, pris au marquage. On retourne le ballon à Carlos Salcedo. Le maître à jouer au niveau de la ligne défensive pour l'équipe mexicaine. Le ballon sur le côté droit maintenant avec Miguel Layun. Non, c'est de préférence. Et Carlos Vela. Carlos Vela, la passe en retrait. L'équipe mexicaine à l'offensive. L'appel de balle, un en pas bon. Et le compte est favorable pour l'équipe mexicaine avec Andrés Guardado. Guardado avec Lozano. Lozano qui va tenter de dribbler Lyon. Lozano. Là, il va passer la frappe de Lozano. Mais quelle rapidité avec le ballon. On a mis deux joueurs sud-coréens à l'intérieur même de la surface de réparation. On va voir l'accélération. Deux joueurs, l'y entrer dans mi-temps et puis mettre frappe. Et ballon passé. De peu sera été le second but alors que Tédo mettait intérieur pied droit là il là. Quelle habilité de nous capable dire bon côté Lozano qui n'a action ça c'est un premier duel que monsieur gagnait latéral droit Lyon et n'a action ça tout nous prouver monsieur prouver que ils sont joueurs très habiles et si tir là Jean-Claude Zildalea monsieur t'es réussi et quand même fait bon faire tir là avec bon intérieur Pierre qui te couvre le ballon peut-être c'est le deuxième goal pour l'équipe mexicaine. Le ballon dégagé par Carlos Salcedo, rentrée touche pour la Corée du Sud avec Wang Hui-chang qui va laisser le ballon sur pour son latéral droit en l'occurrence Lee Young qui va effectuer cette rentrée touche. Il attend un soutien, il fait touche là en retrait sur son partenaire Yoo Se-young.
Jong, il combine toujours dans le camp mexicain. Il écarte maintenant avec Kim Ming-woo. Kim Ming-woo, le centre de Kim Ming-woo, le dégagement de Carlos Salcedo pour le Mexique. Ce sera encore une fois une rentrée touche. Les Coréens sont pressés. La rentrée touche effectuée par Kim Ming-woo à destination de Ki Song-wen. Ki Song-wen, qu'est-ce qu'il fait? Il fait passe axial là. Attention, Rassol pour l'équipe du pour l'équipe de la Corée du Sud avec maintenant le 208 Yoo Se-young. Yoo Se-young, attention, la Corée du Sud à l'offensive sur le côté droit avec Lee Young. Lee Young, la passe à l'intérieur, à l'entrée de la salle de réparation, l'appel de balle dans le dos, ni pas fait passant, la frappe maintenant, c'est Song, le tir, mais ballon contré, c'est pas lui, on connaît à l'avantage de l'équipe coréenne. Tout à l'heure, on regardait l'entraîneur Shin Tae-yong, l'entraîneur de l'équipe sud-coréenne, qui a demandé à Poulenio pour être capable de progresser plus, faire pression beaucoup plus sur la défense mexicaine. Il était en colère. Je veux parler de Shin Tae-yong, l'entraîneur de la Corée du Sud. Et ce sera un corner à l'avantage de l'équipe sud-coréenne de football. Le 216, Ki Song-wen, est monté aux avant-postes. Le milieu de terrain, le capitaine de l'équipe sud-coréenne, il fait corner à la rimoise. Ballon contrôlé avec Kim Ming-woo. Kim Ming-woo, il trouve en soutien un partenaire, Ki Song-wen. Ki Song-wen, l'arbitre fait signe de continuer à pas. Oui, il y avait bousculade du joueur mexicain sur le défenseur sud-coréen et ce sera un coup franc pour la Corée du Sud. Rapidement, le ballon pour Lee Young. Lee Young, Lee Young, Lee Young, qui s'appuie sur Wang Yi-chang. Wang Yi-chang sur Lee Young. Lee Young, il la passe en avant de Lee Young. Le coup de tête en extension de Andrés Guardado, le capitaine de l'équipe du Mexique. La combinaison, le Mexique qui repart à l'offensive, le dribble de la conservation, probablement il va écarter sur le côté droit, en l'occurrence Miguel Layoun. Miguel Layoun, il calme le jeu, il calme le jeu encore, il s'appuie sur un de ses partenaires, on lui retourne le cuir. Là, il y a faible, l'heure a passé, puisque on sentit que il y a mené 1-0, il n'y a pas l'entrée dans le vestiaire là, les Mexicains font circuler le ballon, avec maintenant sur Carlos Vela. Carlos Vela, Carlos Vela, il a été retenu, l'arbitre accorde un coup franc à l'avantage de l'équipe mexicaine, puisque la faute était de Moon Seon Min. Le 218, Andrés Guardado, le capitaine qui a parlé ensemble avec l'arbitre lui-même, l'arbitre qui répond au nom de Mazik Milorad, c'est un Serbe. On voit et cette infiltration de Carlos Vela, c'est lui qui avait marqué sur penalty pour la sélection mexicaine de football et justement les Mexicains qui mènent sur le score d'un but à 0. Le coup franc qui va être boté par Miguel Layoun, le 207 mexicain. Nous voyons une à gauche très loin et on l'autre qui bon côté, l'Ifel, le centre de Miguel Layoun, le coup de tête et le ballon qui va sortir. Et au moment où nous parlons, l'arbitre serbe met fin à cette rencontre de foot, cette première période qui s'achève sur le score d'un but à 0. 1 pour le Mexique, 0 pour la Corée du Sud. Le but a été inscrit sur penalty par Carlos Vela. Vraiment, donc le Mexique qui, jusqu'à présent là, n'a au moins que n'a pas l'air, il gagne 6 points. Le classement dans le groupe 1, le Mexique n'a pas trop de soucis à se faire et probablement à l'intérieur des vestiaires, entraîneur tout lui-même pour demander aux priorités Jean que joueur, histoire si aucune possibilité tout pour capable marquer un deuxième goal. Eh bien, c'est dans l'ordre des choses. Quand à 2 à 0, il y a météo à l'abri. Donc le ça maintenant, c'est une qualification pour le second tour de cette compétition. Mais nous ne sommes pas encore là. Le Mexique a mené un goal à 0 face à la Corée du Sud. Une équipe coréenne qui pour le moment montrer que yo capable égaliser avec l'équipe mexicaine, mais attaque souvent faite de manière désordonnée. Donc c'est ce qui est arrivé à cette équipe sud-coréenne, mais qui si yo capable de mettre plus tant que j'ai entraîné à demander dans fin première période là, et bien capable de jouer une égalisation. Mais nous ne sommes pas encore là. Rapidement, Ruben Swensime, il est là. Ouais, yo équipe coréenne, nous senti que qui discipliné, yo équipe qui motivé, yo équipe qui nous capable de dire tout, qui manque créativité. Donc c'est à partir de ça tout nous voyons que Mexique est même obligé de jouer sous faiblesse. Qualité technique c'est pas meilleur. Donc à partir de ça, nous sentons que l'équipe mexicaine a gagné match là, gagne contrôle match là, une équipe qui est très solidaire, une équipe qui est très compacte, une équipe qui est capable de ballon, produit football, créer occasion. Et vraiment, nous pensons que Mexique, après 45 minutes, il paraît nettement supérieur. Il manquait au monde dans cette équipe sud-coréenne, surtout dans le dernier geste à l'approche de la surface de réparation. On va voir ce que ça va donner au cours de la deuxième période. Le temps de la pause et à tout de suite.
On est de retour, mesdames et messieurs, pour la deuxième période de cette rencontre de football entre le Mexique et la Corée du Sud. Pour ceux qui viennent d'être branchés la RTNA, je vous rappelle que le Mexique mène sur le score d'un but à zéro grâce à Carlos Vela. Et c'est justement, ça va être le coup d'envoi de cette deuxième période donnée par les Mexicains et Steven Dieudonné. Mexique qui était en train d'investir là avec avantage un goal à zéro. Et un goal à zéro qui jusqu'à présent en bail droit pour aller disputer 8e de finale, mais attention à un éventuel retour de Sud-Coréen. Les guerriers et Taïgu qui sont capables de faire mal à la formation. Ça, ils ont passé en retrait. Équipe mexicaine n'a gagné ballon. Guillermo Ochoa qui appuie à gauche. Li jouent dans zone ça. Et Carlos Salcedo qui tourne ballon en défense. Ils sont allés à droite. Edson Alvarez. Li appuie sous Miguel Layoun. Font passe en profondeur. Passe contrée. Ballon qui allait en touche. Remise en jeu à partir de la ligne de touche pour la formation mexicaine de football. Yo pral mette nan jouette équipe mexicaine avec Edson Alvarez. Remise pied gauche de Carlos Vela et Javier Hernandez. Li joue en retrait. Miguel Layoun encore. Intervention côté Corée du Sud. Gomoun qui allait à terre. Côté Mexique. Mais arbitre central a quitté. Joyeux Sud-Coréen allait à terre. Carlos Vela contrôlé pour la formation mexicaine de football. Libéral fait ouverture à gauche. Non. Carlos Vela et Irving Lozano, yo pat Antonio sous face de jeu ça. Carlos Vela qui pendant plusieurs fois mandé à Irving Lozano pour le passer et montrer que li besoin soutien, mais Irving Lozano t'es toujours attend passe là dehors. C'est une relance côté Corée du Sud pour yon tête dans défense équipe mexicaine. Yon récupération côté Sud Coréen, yo y a essayé avancer ballon avec Yu Seong pour le faire ouverture à gauche. Oui, c'est ça, le fait très bonne passe pour Kim Min-ho, li appuie sous capitaine li. Nouveau ballon de Ki Sung-yeng gen ballon, li capable aller à gauche. Non, li préfère conserver dribble en translation, passe forcée du capitaine sud-coréen. Yo gen ballon défense, attention là, défense sud-coréenne. Monsieur Cap joie du feu, ballon qui allait en touche, rentre touche dans avantage formation mexicaine. Juan Carlos Osorio qui lui-même gen pile confiance dans l'équipe ça. Li croit que troupe li a capable d'aller très loin dans compétition. Formation mexicaine avec Edson Alvarez pour aller mettre ballon dans jouet. Ils ont en tête côté Sud Corée du Sud. Ballon qui a récupéré avec le dessin 8 Sud Coréen. Yu Seong, mauvaise relance. Ballon qui allait en touche. Fois ça. Alors, l'autre fois, c'est pour le Mexique. Mais c'est sous côté gauche Payoa. Il y a un ballon avec. Et donc un ballon dans la défense là, dans le cœur de défense équipe mexicaine là, contrôlé et par Hector Moreno joue Edson Alvarez. La passe en profondeur de Edson Alvarez. Ballon repoussé. 21e édition Coupe du Monde là, Coupe du Monde FIFA qui a organisé dans le pays la Russie. Ballon qui a ce pas été joué dans le meilleur joueur sud-coréen. C'était le 11 et Wang Rechang. C'est un coup franc pour le Mexique. Et oui, et plutôt ballon qui était champ de jeu à André Touche pour la formation et mexicaine de football. Récupération côté sud-coréen, bonne passe sur le côté gauche. Corée du Sud était sous 7 matchs dans la Coupe du Monde, n'y pas jamais fait. Et donc une victoire équipe Corée du Sud là, et il y a 3 matchs depuis le pas marqué goal. Équipe Corée du Sud là cap connaît une misère et depuis quelque temps non un plus haut niveau football mondial là. N'a regardé directeur de jeu à Milo Radmazic qui lui-même a demandé avec un mexicain pour qu'il capable de retourner à l'exécuter touche là exactement côté ballon. L'ité sorti à Edson Alvarez pour aller remettre dans jouette pour la sélection mexicaine de football. Il remettait ballon ça dans jouette. Corée du Sud balle tout lui-même 10e participation li gagnon meilleure performance dans la Coupe du Monde que le Mexique. Corée du Sud a fait demi-finale, il était fini en 4e place en 2002 mondial qui était co-organisé avec le Japon, alors que équipe mexicaine à chaque fois toujours à part lui-même campé et un ballon pas jamais capable d'atteindre un niveau ça. Et en tête de touche, ballon repoussé de la tête, li aller yon l'autre fois et en touche pour la sélection mexicaine de football. La radio télévision nationale d'Haïti pour permettre tout vivre événement planétaire ça, la coupe du monde. Ballon a joué avec Miguel Layoun, même temps deux sud-coréens, regarde comment le passé, mais yon perd deux balles de Hector Moreno, yon joueur et mexicain allé à terre. Est-ce que c'est Javier Hernandez à bout de
là qui était joué, ballon relancé, intervention côté de Mexique, pour aller récupération mexicaine, non, dégagement, et bien là, ou senti monsieur qui a fait un match très physique dans le début, deuxième période là, tant côté mexicain, tant côté sud-coréen, et n'a gardé, et donc technicien et 47 ans, oui, et technicien 47 ans, en sud-coréen, lui-même qui tape pas ses conseils, les passes pas aller en pile, attention, capable de danger, possibilité pour mexicain, ou t'as aggravé ce qu'on a, ou t'as doublé mise là, Yving Lozano fait intérieur pied à ballon, remonte tête quand c'est dommage, pour attaquer PSV Eindhoven là, Yving Lozano, lui frappe du doigt, non, entrée et surface réparation, mais lui, ouais, ballon lui a passé largement au-dessus de la barre, et où il t'a gagné. Arrière droit sud-coréen qui t'a pas été face les Lyon, mais frappe là qui monte d'être quand Corée du Sud a absorbé, qui ont déviation, c'est très bien joué. Et côté et sud-coréen, ils ont passé en retrait. Lyon a metté ballon loin, ballon avec Eumin Song, Song Eumin, il y a deux mouns qui passaient. S'il levait tête, il a pris un mouna banette. Non, il a tenté dribblé, il y a un mauvais contrôle de Song Eumin. Andrés Gualdado qui t'a pas été face lui, il a raison sous lui. Andrés Gualdado qui bénéficiait touche là, Song Eumin jusqu'à présent. Il n'est pas capable de livrer marchandise là, mais tout, il a besoin, il est capable de joindre plus de monde avec lui, qui peut aider, mais ça paraît très compliqué pour la sélection sud-coréenne de football. Il y a un passe pour Léon Ballon avec. Le joueur mexicain, bonne passe, c'est très bien joué. Capable de danger, m'pas d'accord, tirant là, Aviel Hernandez. Il a fait perso. Ni de loin, mais ballon monté d'être quand oui, Aviel Hernandez qui était préféré, option perso, alors qu'il était capable de jouer Miguel Layun qui t'a passé dans le couloir, tout comme Yvonne Lozano qui est allé sur le côté gauche là encore. Miguel Layun qui était libre, et un peu à droite, mais il était tiré, ballon monté d'être quand, et Sud-Coréen a essayé de sortir, il a essayé d'élaborer d'abord à partir de Chanier Central, Paioa. Yon passe. Ballon avec Lyon conservé. La longue passe de Lyon, plus pas gagné solution pour le terrain de terrain. Défense mexicaine repoussé. Ballon tourné entre jeux équipe sud-coréenne. Il a baissé sorti. Ballon avec capitaine sud-coréen. Nouveau ballon de Kissung. Il a passé à bien jouer. Capable de danger là. Yon Minson joué. Égalisation peut-être. La reprise. Sud-coréen a préclamé jeu de main. Il a préclamé jeu de main. Mais monsieur Milo Radmazic, il dit non. Carlos Salcedo, qui lui-même. A faire qu'on est, est-ce que c'est avec un coéquipier Lyon? On va voir. La reprise. Non, c'est au niveau de la poitrine. C'est au niveau de la poitrine. Là, nous sommes capables de tout. C'est ballon, on vient chercher, mais on y joue dans le même, mais on est collé sous quoi? Oui. C'est un coup de conduire. Ce n'est pas la main vers le ballon, c'est plutôt la balle vers la main. Donc, un joueur là, lui-même, un joueur mexicain, il est capable. Et donc, dit bien sorti, puisque l'intervention ça a été gagné, et assez de lucidité pour être capable de quimber même sous col. Et ça que Sud-Coréen, dans la première période, là, il n'a pas rappelé pour le faire. Attention, il y a un centre-tir, mais qui allait directement dans un gant, Guillermo Ochoa. La relance de Guillermo Ochoa, il prend le joint dans la zone ça, Edson Alvarez. Ballon en sortie, puisque tu as un tacle de un joueur Corée du Sud. Et c'est Lee Haïson qui t'a fait et reprise tout à l'heure. Et Edson Alvarez va remettre le ballon en jouette pour la formation mexicaine de football. C'est toujours un pour le Mexique. On a regardé supporter sud-coréen, yo même qui pour qu'on capable de jouer un sourire sur visage yo. Et pour une deuxième fois dans la compétition, puisque lors de première sortie, l'équipe sud-coréenne a été tombée 0-1 face à la Suède. Yon gol que grand vice s'était marqué encore sous pénalty. Attention, deuxième pénalty concédé et côté par les sud-coréens dans la compétition. Deux gols que yon encaissé sous pénalty. Gagné un tirage de maillot. Mais le joueur mexicain il veut conserver le ballon. Il passe en retrait de Javier Hernandez qui détourne dans la zone ça comme milieu et droit. Il passe en retrait. Ballon en défense là avec Salcedo, Hector Moreno. La pas avancé ballon au pied. Hector Moreno contrôle avec semelle pied gauche. Il a ouvert sur le côté gauche. C'est très bien joué. Il joue un bon monde dans la zone ça. Petite passe dans l'axe du terrain. Plutôt en profondeur pour chercher un joueur de quoi Javier Hernandez. Mais t'es gagné faute. Et monsieur Milo Radmazic qui capte en compte là, li octroie un coup franc avec sélection mexicaine. Yon bon coup franc pour le Mexique dans entrée surface réparation. Irving Lozano qui était allé à terre. Une courtoisie de la présidence, ONA, ONDA, ETRAC, Institution chrétienne d'Haïti, DGI, EDH, BNCEO, Seram, Top Towers, Ofatma, Creolito, Kasami et puis César.
le centre du savoir académique d'Haïti, Delma 83, au numéro 33. 100 000 goudes à gagner sur la radio-télévision nationale d'Haïti, base PAM, depuis branché, au gain de voix pour bien décorer Bazou, faire Bazou belle, faire Bazou bien campé, et puis filmer Bazou, faire vidéo à Voe Libano, ensuite 49-00-10-10, il y a une possibilité, c'est la télévision, radio-télévision nationale d'Haïti, à Baïkado, et tout ça, bien seul gagnant. La Coupe du Monde là, puisque c'est tout le monde qui a toute une équipe qui a défendu un seul trophée à la télévision nationale d'Haïti depuis coup d'envoi la compétition ça, la belle cadeau, de monde qui fait 5000 gouttes, de monde qui fait 4000 gouttes, en tout un ballon balancé, mais une très bonne intervention avec le portier sud-coréen, pour parler de Young Ro, lui balancé, le ballon toujours pour l'équipe sud-coréenne, bon contrôle réalisé par Moon Son Moon, attention, parce qu'en outre, la PC a avancé la ballon avec le seul sud-coréen, Yu Seong. Il quitte le capitaine, lui, petite passe sur le tunnel, joueur sud-coréen, qui lui a conservé, qui sont young, un ballon avec un lycée young, bien joué, sud-coréen, puis essayer, râler l'équipe mexicaine, là, ça qui est au dans le premier temps, essayer quel est le ballon, le camp Mexique, jouer dans le moitié de terrain par adversaire, bien joué, son Hermine, lui, tenter d'investir sur face opération, attention, la frappe, ballon capté en deux temps, par Guillermo Ochoa, oui, sud-coréen, qui a fait un menace dans la deuxième période là, il a essayé dans la première période là, alors, premier temps, il a essayé, dans Kayo, mais dans la deuxième partie match là, il a quand même joué la moitié de terrain formation en mexicaine. Ça qui est capable de mettre les Mexicains en difficulté. Ça que nous avons trouvé nous là avec frappe ça qui vit nous et pour qui sont young non sorti sur le à gauche par Ochoa et Guillermo Ochoa a grand pile difficulté pour qu'il te capte ballon ça. Guillermo Ochoa, gardien mexicain, prochain match le Mexique, c'est bien contre la Suède, l'Ipatadoué et donc mettre le Mexique là. Match ça, équipe mexicaine n'est pas supposé aborder lui avec un peu de sérénité puisque si on déjà valide des billets, il est capable de faire rouler effectif là. Et on passe en retrait. Ballon pour la formation mexicaine de football. Donc on dit tout de suite après match ça, il y a le 7 Allemagne et la Suède. 37e confrontation entre deux nations. Ça y est, c'est la 5e confrontation dans la Coupe du Monde. L'Allemagne a mené la Coupe du Monde. L'Allemagne a mené il y a avec confrontation. Il y a plus d'informations, tout le monde raconte ça, puisque l'équipe l'a chauffé, et l'équipe l'a chauffé pour monter. Attention, il y a tout à fait suivre le match ça. Nous connaissons que Wapton, tant que j'en t'attends hier, Brésil contre l'équipe Costa Rica. Brésil souffle, mais gagné, Neymar débloqué contre lui avec Célessaoua. Neymar qui vit le troisième meilleur buteur de Brésil dans toute histoire à sélection ça. Donc quand on joue côté Corée du Sud, c'est bien le Dossard 19 sud-coréen qui averti et donc avertissement et avec le joueur sud-coréen puisqu'il te connaît de une faute, il fait faute là, un tacleur de Carlos Vela, buteur mexicain dans le match ça, bon dribble réalisé par Carlos Vela. Carlos Vela, comment il passe, Carlos Vela, il peut faire jeu dans l'axe, attention, et on passe en dessous, passe frappe ratée, ballon repoussé, mais dégagement pas bon, deuxième goal, voilà! Bel mouvement du portier coréen, Young et Young Woo. On va ouvrir l'action. Voilà. Soyongo qui t'a suivre. Mais il mettait frappe en contre. Deux a vint joignir encore et puis il mettait intérieur. Et puis le portier, vraiment. Une belle parade du portier sud-coréen. 10 sur 10 des deux côtés. Oui. Il fait explosion. Ballon dévié au passage, oui. Mais ça n'a pas empêché. Regardez, et gardien, l'équipe sud-coréen, la demande de monsieur Obio, calmez-le, il croit que l'équipe est capable de faire un bagage de match ça. Il est exempt de tout reproche sur le goal ouvert du score là jusqu'à présent qu'a fait match li. Nous devons parler de dernier rapport en sud-coréen. So Young Ro, on passe en retrait. Quel qui pense ça, qui a âgé de 26 ans, c'est là qu'il a joué dans des joueurs FC. Attention, ballon pour l'équipe mexicaine, équipe sud-coréenne, majorité joueur a évolué dans le championnat la Cayo. Carlos Vela Gomon qui passe à droite, il quitte le couloir à droite là. C'est un ballon avec Hector Herrera. Hector Herrera côté décalé, Hector Herrera. L'a joué milieu axial, ballon pour Hector Herrera, garde qui passe, non passe raté, c'est équipe sud-coréenne qui a besoin de sortir. Le ballon bien négocié par le sud-coréen, ouverture sur le côté droit, le bail jette l'espace, le bail jette l'éclairage, il y a le cherche côté qui t'a gagné trop, joueur mexicain, il passe en retrait, il y a un dégagement dans la défense, équipe sud-coréenne, bonne réception réalisée par le joueur sud-coréen. Attention, est-ce que la batterie, non, il va arriver à passer dans le jeu 1 contre 1 ça, défenseur mexicain, tout juste que
Mexique est en bataille. Quelle relance. S'il fait contrôle là, capable de danger. Ballon Yvon Lozano. Yvon Lozano. Intervention du défenseur jusqu'à présent c'est du tac au tac, mais c'est défenseur qui a joué, défenseur qui a joué bon match. Bon contrôle réalisé par l'arrière gauche sud-coréen. Il passe en d'intérieur, bien joué là, il a passé avancé, passe en profondeur. Non, trois joueurs mexicains à suivre un seul monde. S'il est vrai, c'est celui que tout espoir son Eungmin. Attention, Yvon Lozano. Il était capable de marquer, il était capable de marquer. Il a fallu le retour du défenseur sud-coréen pour contrer cette tentative du joueur mexicain Yvon Lozano. À ce qu'il paraît, qui fautif sous action ça. Il y a un joueur sud-coréen qui est à terre. Et goal qui est alors habite cette canne là. Nous ne voulons pas de Milo Radmazic. Lui qui a pris en compte là. Parti dans le dos de la défense. Quel appel de balle d'Yvon Lozano. Et Steven Doudonné, on va m'absoluer. C'est faciliter tous les deux qui peuvent faire passe longue. 30-35 mètres. D'abord Corée du Sud. Anticipation sur le défenseur mexicain. Mexique récupère. Et puis nous même côté bas. Dans le équipe là. Ça veut dire que tellement de facilité pour arriver dans le camp adversaire. Lorsqu'on n'a pas qu'à faire 8, 9, 7, 8 passes pour arriver. Mais on est capable d'utiliser ça. Mais pour utiliser, le petit à la fois grand pour l'entraînement. Exactement, c'est ça lié. C'est travail, travail, travail. Un peu de répétition. Pour capable perfectionner les gestions. Et une fois que les gestions sont perfectionnées à l'environnement, on est là, il vient un moment, ça est là, on est capable d'exécuter. Et Sud-Coréen est capable de jouer l'égalisation en reprise. Ballon contre le sous-corps mexicain. Attention, danger à Poco fini. Et Catenet, on passe à droite, balle dans le centre avec Lyon, l'idée de lever plus. Ballon repoussé par le joueur mexicain. Intervention, déviation de la tête. Dégagement en finale de John Alvarez. Réception pour contrôler quel passe Yvon Lozano. Ballon contrôlé. Est Miguel Layon ou encore Abel Hernandez. Et on passe pour Carlos Vela. Ils ont été au pied gauche. Ballon, on était tête quand. Bon, c'est un peu. Si nous perdons, changeons le pays ça. Et c'était le coach du coup d'Alci. Allez, Gan. M'a regardé comment les gars font croisement. Et il est toujours dit que chaque fois, on a trois points. Donc c'est deux points pour une défenseur. Nous qui avons porté le ballon, nous croisement. Et c'est le croisement que les gens font croisement. Il a justement, c'est le coup de chance. Donc là, on a été mis en contact avec le deuxième ballon. Michel Lopez, j'ai un peu mon cabo ici. Mais nous devons potentiellement essayer d'organiser, nous ne pouvons pas jamais capable de faire ça organiser. Oui, équipe mexicaine jusqu'à présent capable de bien comporter. Voilà. Le premier changement justement. 72e minute de l'entraîneur sud-coréen. Yong Tae-yong qui lui-même estime qu'il a besoin. Il y a 109 au niveau sur le plan offensif. C'est Lee Se-young Moo. Il y a 14 jours pour Lyon, c'est deuxième averti à côté Corée du Sud. Et Lyon, il est pas tranquille pour d'avoir un peu de temps. Sur Lyon Admazit, il batte par un trop avertissement. Mais dans la deuxième période là, même il commence par sanctionner Sud-Coréen. Justement, extrême gauche, même si nous allons de droite, et Lyon lui même c'est latéral droit, et puis tout ça. La sortie de Lucéon, oui, il va être. Est-ce que pareil, il a changé, il a modifié le changement? Non, non. Oui, c'est lui-même. Il va sortir, il va être Lucéon. Lucéon, lui. Lucéon, lui, qui lui-même a fait l'apparition, il s'est déjà fait côté Corée du Sud, le 210 sud-coréen, joueur Elas Veron dans le pays, en Italie, joueur âgé seulement de 20 ans, Lucéon, lui. Et là, c'est yes. Égal Rafael Marquez côté formation mexicaine 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Rafael Marquez toujours présent. Noc du monde, Rafael Marquez toujours présent. Le vieux Buscar, coach. Oui, Rafael Marquez, que nous connaissons, ancien joueur de Barcelone, qui gagne un pile expérience, mais surtout qui gagne un pile cœur. J'ai l'impression que depuis le football mexicain, la dernière année, on peut faire référence automatique avec Marquez. C'est un joueur qui est capable de jouer comme défenseur central. C'était là, il fait pratiquement presque toute carrière. Mais depuis quelques temps, il a utilisé le jeu comme milieu de terrain défensif.
qui gagne un très bon jeu de tête, mais en plus, ça a gagné un bon balai, un bon et bon coup franc. Avec M. Zotéréen, Ozoyo prend à la fois la défense à 3, laisse à M. Zotéréen libéré, et si besoin fait sentir le tour, il juste fait M. passer de quoi, comme nous défensif, et puis passer même équipe à son bac en changement, en 4-4-2, vraiment, Marquez qui toujours était important en deux groupes. Le ballon pour l'équipe sud-coréenne, il tente de faire point, mais il n'a pas bouclé le ceinturon. Donc le ballon pour l'équipe mexicaine de football, le dégagement, anticipation avec la Corée du Sud. Ballon pour l'équipe coréenne. Et tout ceci grâce à la présidence ONA, Honda, E-Track, Institution Chrétienne d'Haïti, DGI, EDH, BNC, Euroseram, Top Towers, Fatma, Kyolito, Kasami et puis César. Le ballon pour l'équipe l'équipe sud-coréenne dans le camp mexicain. L'arbitre fait signe de continuer et c'est la contre-attaque. Attention, mais ça ne t'a pas l'état à l'heure. 3-2, possibilité de second but. Prochain goal. Et goal 2-0 pour le Mexique. Le Mexique se met à l'abri avec un modèle de contre-attaque. Et là, à la sortie de Yoo Se-young, son milieu récupérateur, et n'a pas gardé comment pressing rapidement. 1-2, changement de rythme, 3, et puis l'accélération. Super, puis deux mouns étaient de l'extérieur, qui quimbaient deux joueurs, le pack à contre-côté pour l'aller. Donc voilà, c'est un modèle de le prochain maintenant. Et puis, dans les plus vives, ça y est, buteur. Voilà, Hernandez, patience que c'est là. Matt Gadzien, là, qui t'a fait ici. Fait de frappe, et puis en ce moment, premier poteau. Intérieur de droite. Pour la joie de Juan Carlos Osorio. Justement, donc le Mexique qui confirme, donc et avec 6 points, donc pour faire la prière, il fait signe de poil. Et donc voilà, la joie de Hernandez saluée par le ressort 22 de l'équipe du Mexique. On ouvre encore le pressing son modèle. Obstruction, récupération, la décision de l'arbitre est irrévocable. Pas une question. Oui, de... nous sommes capables toujours essayer de garder pour nous. Mais c'est le 50e match international league, surtout l'équipe mexicaine. En tout cas, c'est 2-0. Avian Hernandez lui-même qui m'a tapé là. En compétition. Et la sélection mexicaine. Le vieux Briscor, c'est Rafael Marquez. Tout monté avec Brassala. Donc, il va jouer comme milieu de terrain. Il a placé ou encore est-ce que monsieur va opter pour faire défense à 3, monsieur comme faire pour le match avec Marquez comme numéro, mais pour jeune positionnement Marquez il est positionné dans le milieu. Voilà, la Corée du Sud qui repart à l'offensive avec Lee Yae-sung. Attention, la Corée dans le camp mexicain, il fait passer justement sur Kim Ming-woo, la passe en avant de Kim Ming-woo sur le 211 en Hee-chang. Et puis ballon sorti, c'est pas le rentrer touche pour la Corée du Sud, suite à l'intervention de Carlos Salcedo. Corner maintenant pour la Corée du Sud, ils sont pressé et là maintenant il faut mettre tout corps en bataille pour au moins être capable du score et pourquoi pas même égaliser. Et tout ceci grâce à la présidence ONA, Honda A-Track, Institution Chrétienne d'Haïti, DGI, EDH, BNC, Euroseram, Ofatma, Kyolito, Kasami et puis César. Le corner beauté à nouveau, ce sera un corner pour la Corée du Sud. Deuxième corner coup sur coup pour les Coréens. Donc le Mexique qui mène sur le score de 2-0, la joie des Mexicains dans le stade et de Rostov Arena. Situé à Rostov sur le Don. Justement. Stade qui a une capacité de 45 000 places. Le corner. Et les supporters mexicains. Oui. Et la crée ambiance au niveau de ce moment. Puis Chita, monsieur Mexicain est sorti dans l'Openio. Et puis il a parlé avec joueurs. C'était vraiment beau à voir. Et les joueurs mexicains qui sortent. Et puis qu'on a parlé ensemble avec fanatique équipe mexicaine de football. Et puis le ballon avec le 117 et coréen Lee Hae-sung. Il va faire le débordement. Il fait 100 ans. Mais ballon contré. À nouveau, le centre de l'extérieur du pied gauche. L'appel de balle dans le dos de la défense. Est-ce que la pété frappe et la frappe?
Mais très bon placement du portier Guillermo Ochoa, le portier mexicain jusqu'à présent très sûr dans les cages de la sélection mexicaine de football. La frappe de Wong Hee Chang, l'avancée de l'équipe sud-coréenne. Le ballon pour le Mexique avec Rafael Marquez. Le ballon pour Carlos Salcedo. Salcedo qui est quant à pour le 221 Edson Alvarez. Alvarez pour Rafa Marquez. Rafa Marquez qui nous retourne le cuir. Le pressing des joueurs sud-coréens. Les Mexicains arrivent à s'en sortir de fort belle manière. Le tacle. Et à l'arrière, est-ce que la poule carton? Les nerfs sont à fleur de peau du côté de l'équipe sud-coréenne. C'est le nouveau venu, le 210 sud-coréen qui répond au nom de Lee Seung-woo qui vient de commettre la faute. Et l'expérimenté Rafael Marquez est en train de parler avec le directeur de jeu. Il va y avoir un deuxième changement dans le camp mexicain. C'est Jesus Corona qui va remplacer Miguel Layún. Apparemment c'est Lozano qui va sortir. Lozano qui va remplir, oui, qui sort. Lozano. Et puis ils sont tous souriants. Ouais, ça c'est partie des plus difficiles ici en tant qu'entraîneur. Bonne solidarité, ça, bonne complicité, ça, même si on a un peu de ça, on est là, tout le monde connaît le important, tout le monde connaît que pour réussir le projet, il faut pas trop de participation de toute la gamme, que des soutiens, que des intérêts, vraiment, nous sentir qu'on est comme ça, gagner, camarader, ça, gagner, compromis, ça, l'un avec l'autre, pour avancer, aller vers l'objectif. C'est extrêmement important, j'aime faire l'expérience, je vais vous faire l'expérience avec ça. Et le dégagement et ballon sorti, et c'est un facteur extrêmement important dans le groupe, leur vie complicité, leur vie solidarité, donc on gagne ensemble, on perd ensemble, c'est la loi de la vie. Exactement. Et puis le ballon pour l'équipe sud-coréenne, appel de balle dans le dos, non, c'était au milieu de deux défenseurs de l'équipe du Mexique, et finalement les Mexicains vont repartir à l'offensive, la faute et de du Paul Poncaton. Oui. Deuxième faute consécutive de Lee Seung-woo, le 210 sud-coréen. Oui. Et c'est ça lui fait même sud-coréen. Depuis sa rentrée. Et c'est pas un coup franc pour le Mexique et Chicharito. Et ça, il s'est excusé, le joueur sud-coréen auprès du Mexicain. C'était Miguel Layún. Oui, il fait football. Et puis, pendant que nous avons fait accélération, voilà, déséquilibré lui en façon de ne pas quitter le PVC, parce que là, quitter Miguel Layún, entrer piqué vers l'axe, il va jouer plus d'espace et il est capable de faire mal avec lui. C'est 2-0, il s'est excusé, le sud-coréen, voilà, j'ai du fair play. Donc, ça vous parle, pour le Mexique, c'est l'expérimenté Rafael Marquez, pardon, qui est sur le ballon, qui s'apprête à botter le coup franc pour le Mexicain. En tout cas, on a rappelé que nous commençons à faire le patronat à la tête. Et on peut faire champêtre, donc je dis c'est Coup du Nord, demain c'est Miravoine, il va y avoir la fête aussi du côté de Saint-Jean-du-Sud, donc on peut faire au niveau des villes de province. Donc en tout cas, attention sur la route, monsieur, revenez tranquille. Donc voilà. Et puis c'est les Coréens qui récupèrent le ballon. Attention dans le camp mexicain avec Lee Seung-woo. Lee Seung-woo, la passe à destination de Wong Hee Chang. Wong Hee Chang, Lee Seung-woo, il fait passer que la pété frappe là. Non, finalement, la Corée du Sud conserve toujours le ballon. La production de pas de réparation. La frappe mais contrée par Hector Carlos Salcedo. Maintenant sur le côté droit pour l'équipe sud-coréenne. La passe en retrait. Les Coréens qui gardent le ballon. La déviation, la conservation. Toujours pour la Corée du Sud, on lui retourne le cuir, la fête de l'accélération, le centre, le dégagement de Carlos Salcedo qui est contre le danger pour le Mexique, et la passe en retrait pour le portier sud-coréen, en l'occurrence Yo Eung-woo. Le portier sud-coréen, rapidement le ballon qui a été mis en vie, ballon là, toujours pour l'équipe sud-coréenne avec Lee Ae-sung, la petite passe en retrait, est-ce que la fête passe sur le côté gauche? Non, il conserve finalement. Il fait l'un sur Kim Ming-woo, le centre de Kim Ming-woo, mais dans les bras du portier mexicain Guillermo Ochoa. Déjà la 75e minute de jeu, c'est 2 pour le Mexique, 0 pour la Corée du Sud. Et Guillermo Ochoa qui fait rouler le ballon à destination de Rafael Marquez maintenant.
Mexicain, le 204 Mexicain. La petite passe justement sur Rafael Marquez. Rafael Marquez sur le côté droit avec Alvarez. Alvarez, le ballon pour Vela. Vela encore en retrait sur Alvarez, le 221. Alvarez, les Mexicains ne sont pas pressés puisqu'il a mené 2-0 et de temps dans le troisième en compte et face à l'équipe suédoise. Donc il a conservé et force physique. Et c'est justement, il va y avoir un autre changement dans le camp mexicain. C'est Giovanni Dos Santos, possibilité de réduction du score. Oh là là! Ballon toujours, le danger toujours là dans le camp mexicain. Finalement, anticipation. Et ça a profité au portier Guillermo Ochoa. Et pas quoi que rien, jamais une chance encore. Le 216, le 211, sud-coréen, Wang Yi-Chang, sur le portier mexicain Guillermo Ochoa. Oui, il a eu une belle opportunité, une belle possibilité pour l'équipe sud-coréenne. Il y a une occasion qui est plus fraîche dans le match avec Corée du Sud. Le capitaine sud-coréen, justement, n'a plus ouvert encore. Il a fait passe en retrait. Passe en retrait pour Guillermo Ochoa. Succession de passe en retrait, Guillermo Ochoa. Il fait pour Rafael Marquez et puis passe en pari. Rafael Marquez qui est entré dans le cadre. Et puis, c'est là que tout à l'heure, au micro, que tout à l'heure, on en parlait, on sentit que l'équipe sud-coréenne est trop bien. Trop mécanisé, de créativité, de l'impression que son leçon de venir après ou après de l'université de l'île, de l'oublier l'île de toutes les choses, si vous êtes un peu plus dans la planète. Par exemple, une fois que font ça là, on sentit que sud-américain, mexicain, et mon petit pivot et tout de suite les techniques aussi qui ont avec fait techniquement et fait donc vous sentez que t'as fait un bagaille là pour l'équipe coréenne. On fait sortir le 211 mexicain, c'est Carlos Vela. Il est sorti. Il est à la 26e minute de jeu sous pénalty. Carlos Vela remplacé par Giovanni Dos Santos. Oui, le 210 mexicain Giovanni Dos Santos. Oui, Young, voilà justement, et un nouveau, le dernier changement probablement dans le camp de l'équipe sud-coréenne de football. Donc voilà, donc c'est toujours le Mexique 0 et ça repart du côté des Sud-Coréens avec Go Johan. Attention, la longue passe à la, et sur le côté gauche de la défense, mais finalement les Mexicains avec Giovanni Dos Santos qui touche son premier ballon pour le Mexique. L'amorti de la poitrine, les Sud-Coréens récupèrent sur le côté droit avec le 202 et sud-coréen, en l'occurrence Lee Young, la passe 1 sur le côté droit avec Yang Yun-soo. Yang Yun-soo, les Coréens, ballon toujours pour Yang Yun-soo. Yang Yun-soo, il fait passe là en avant, la moitié de la poitrine de Wang Yi-chang. Wang Yi-chang, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'indique le directeur de jeu? Est-ce qu'il y a faute? Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Et le joueur sud-coréen qui n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Mais vous devez savoir, mon ami, que la décision de l'arbitre est irrévocable. Est-ce que c'est hors jeu? Oui, hors jeu, ou coup de faute sur le défenseur mexicain. Et l'entraîneur est sud-coréen, Ching Tae-yong. Ching Tae-yong et le dégagement avec Guillermo Ochoa, le portier de l'équipe mexicaine. La longue passe de Ochoa, le coup de tête de La Young. Deuxième balle, anticipation de la défense et sud-coréenne avec Kim Min-woo. Et les Mexicains s'emparent du ballon avec le nouveau venu, c'est Corona. Corona qui va tenter le débordement. Il conserve la petite passe à hauteur de Corona. On lui retourne le ballon. Oh, le jaillissement du défenseur sud-coréen. Et ballon sorti. C'est pas lui rentrer de touche pour la Corée du Sud. Pour cette rentrée de touche, c'est le dosseur de Lee Young qui effectue cette rentrée de touche. Il s'appuie sur Lee Se-young-woo. Lee Se-young-woo dans un trou de souris.
il arrive à s'en sortir. Finalement, l'équipe sud-coréenne avec Ki Song-Wang. La longue passe encore sur le côté gauche pour Kim Ming-woo. Il n'y a pas faute. L'arbitre facile de continuer le dégagement, mais l'arbitre serbe, en l'occurrence Mazik Milorad, estime que le ballon a eu le temps de franchir la ligne. La entre-touche pour la Corée avec Kim Ming-woo. Il attend un soutien. Kim Ming-woo, il fait touchant là rapidement sur un partenaire. La profonde vitesse à précipitation, le tacle du défenseur mexicain, en l'occurrence Alvarez. Ballon sorti en touche une nouvelle fois. L'entre-touche pour la Corée du Sud avec Kim Ming-woo. Il fait rentrer touchant. La passe à l'intérieur de réparation. Conservation. L'appel de balle, mais non. Mauvaise passe. Et carton jaune pour le joueur sud-coréen. Le nouveau venu, en l'occurrence, Young Woo Young. Donc 10 points carton jaune. Justement. On regarde les bouts qui monte qui se voit faute là. C'est Chicharito. Voilà. Solidarité qui vient de marquage à Mexicaine, à Vienandes, Chicharito. Il est venu aider l'équipe IA et je vois là qui te mettait mais. On peut parler de Young Wuyong qui lui-même te mettait mais et ça. Qui permet de formation mexicaine de bénéficier de fêtards et un carton jaune d'accord équipe sud-coréenne, il y a l'autre carton jaune Corée du Sud fait une 19e faute dans le match de l'Asie. 80e minute de jeu, le dégagement avec Guillermo Ochoa qui peut faire dégagement pour l'équipe mexicaine. Regardez fan Mexico, voilà, c'est là où on est. Donc tout ça au stade Rostov Arena en Russie. Le ballon pour la Corée du Sud, le ballon récupéré avec Yang Yong-so, il fait une longue passe en avant, le coup de tête du joueur coréen, et c'était Wang Yichang, mais la passe sur le côté gauche, le côté droit de la défense mexicaine, le centre, le crochet n'y arrive pas, le ballon toujours récupéré avec Wang Yichang, il arrive à déborder deux joueurs, mais finalement, l'anticipation de Carlos Salcedo, il a mis le ballon en touche. Almasuet s'est pris un peu plus tard sur le coup de 2 heures. Et ce sera grâce à la présidence ONA, Honda et Track, Institution Chrétienne d'Haïti, DGI, EDH, BNC, Euroceram, Ofatma, Kyolito, Kasami et puis César. Et c'est prêt avec Woody et Ivo, Gracie Antoine et puis Coach. Le ballon pour l'équipe sud-coréenne justement dans le camp mexicain. Les Coréens qui y s'organisent. On va voir est-ce que la fait frappe l'un. Je veux parler de Song. Attention à l'entrée à deux passes. Ça fait des pieds gauche. Le ballon contré. Deuxième balle pour l'équipe sud-coréenne. Eh bien, les Coréens qui se ruent à l'offensive. Le sens d'engagement mexicain, le sens monsieur. Il faut aller jusqu'au bout, il ne pas jamais lâcher. Et Osorio, Juan Carlos Osorio. Après le match là, la FIFA a parlé de sens incisif côté attaque mexicaine et puis défense fiable. Il y a une défense mexicaine jusqu'à présent qui lui-même pas encaissé ses goals. Mexique pour 2 sorties, c'est 3 goals qu'il a marqué et n'a pas encaissé aucun goal. Donc le Mexique s'est levé parce qu'il y a un pile, mais il a fait une très bonne compétition jusqu'à présent. Avec Hernandez a célébré le goal l'IA lui-même avec Osorio. Donc c'est pour tout ceci, nous d'accord que il y a un paquet de complicité entre joueurs et entraîneurs. Et entraîneur, je veux parler de Osorio Juan Carlos, il y a une complicité, ça, message l'a passé et tout ça que besoin que le joueur a fait lui-même, il l'a fait et même pas fait la tour, il va se sentir coupable. Donc c'est extrêmement important, il y a une complicité, il y a une solidarité dans le groupe, que ce soit en football, en volleyball et en basketball. Voilà. Et c'est pas le dernier changement du côté sud-coréen. Et le 212 qui est sorti. Avec la troisième minute de jeu, troisième et dernier changement. C'est le 214, c'est Hong Chol. Et c'est Kim Min-woo qui lui-même a sorti, remplacé par le 214. Hong Chol qui est pour l'équipe Corée du Sud-là. Toujours 2 à 0 pour la formation mexicaine de football. El Tricolor, la Verde.
Aztec qui a gagné ballon, non, moitié terrain, encore non, entrée sur face séparation, formation Corée du Sud là, mettez-le plus loin. Sinon, capable de caisser son troisième goal, un ballon. Et pour la formation mexicaine de football, on passe en retrait, meilleure récupération en sud-coréenne, pas pour longtemps, bon tacle côté mexicain, bon retour du joueur de la Corée du Sud, le senti fatigue côté sud-coréen, et un joueur qui touché et qui est mené par la ballon pour la défense mexicaine, on passe de Salcedo, Lee joué là sous Moreno, Hector Moreno, geste technique d'Hector Moreno, fait deux passes dribble, quelle déviation, et ballon en retrait, le joueur under terrain, ouverture sur le côté droit, Edson Alvarez, Miguel ballon avec la Youne, bien joué, Mexique Cap, multiplié passe, Mexique Cap essayé, Wesio Caraba, râler qui peut sud-coréenne, plutôt faire conserver ballon, faire passer ballon sur tout côté, de façon que j'ai le atout, plus que 2 à 0, score ça, Lina avantage le fait à faire, Mexique Cap seulement tonne. Jusqu'à présent avec 6 points là, lui qualifié, mais il est capable de tout valider bien et sans qu'une plan même équipe de rien dans la prochaine sortie. Si toutefois l'équipe suédoise là, lui-même est capable même faire un match nul avec l'Allemagne. Puisque si c'est l'Allemagne qui bat, l'Allemagne doit passer à 3 points, la Suède à 3 points. Donc notre troisième journée, qui a le trop de calcul, EVD n'a pas besoin de ça, Picolon n'a pas besoin de ça, El Tri n'a pas besoin de ça, Aztec n'a pas besoin de ça, comme Cacafio, il n'y a pas de temps de trouver une situation comme ça, et bien il y a donc à espérer une septième qualification depuis après deuxième journée à la, le ballon avec la formation en sud-coréenne de football, bien joué, passé dans le temps de monde, capable de gagner une réduction écart là pour la formation sud-coréenne, mais non, équipe mexicaine n'a pas essayé de sortir, il y a un passe en profondeur, et Mexique là qui ont déjà replié dans le cas, et formation sud-coréenne qui gagne le ballon, il y a essayé de sortir, Corée du Sud. Qui dans la deuxième période là gagné un contrôle ballon à seulement 42% malgré que c'est le besoin et on dit la translation ouverture sur le côté gauche centre pour le finir avec Charles, Charles contrôlé, il joue en entrée, non, combinaison pas marché, oui, pas de clairvoyance dans l'équipe, pas de comme joueur sérieux qui gagne ça pour qui permet et avant de sécuriser dernière passion bonne position, oui, pour capable manquer, donc quand même et c'est ce qui manque à cette équipe sud-coréenne. C'est vrai qu'il est très combatif physiquement, on sent qu'il est préparé et coupe du monde, mais cependant il manquait au monde pour qui fait lumière pour qui joue maintenant pour l'équipe sud-coréenne. Il y a un peu de limitation technique et on sent qu'il manque de créativité. C'est vrai que son bloc solide, son bloc qui compact, il est que mentalement il est prêt pour aller jusqu'au bout de le ballon de récupérer, mais là où il y a une, il y a une pile difficulté, là où il rencontre une situation qui n'est pas planifiée, une situation qui n'est pas préparée, et c'est exactement là, si, dans le match même que le Mexique est invité au jeu, mettez pression sur nous, exigez tout le temps pour gagner un jeu, pour faire un jeu de au mieux. Et leur bagage ballon pour les amener dans l'autre situation, pour faire au courir des ballons, faire au perdu tout, faire au perdu patience et en même temps tout perdu lucidité. Et vraiment le match, on est capable de dire même dans certains sens que le Mexique a bien avec un peu de facilité. C'était nous rappeler aux auditeurs, téléspectateurs de la radio-télévision nationale d'Haïti. Dernière fois, le Mexique était connu en défaite dans la Coupe du Monde. Fonta tourné en 2010. Ça t'est passé en Afrique du Sud. L'ESA, c'était contre Uruguay. Formation Uruguay, t'es battu Mexique. Alors, t'es connu en défaite dans le premier tour dans la Coupe du Monde. C'était contre formation Uruguay. Et ça, défaite ça avec défaite 1-2 en 2006 face à Portugal dans le premier tour. Fait deux seules défaites. Le Mexique connaît 9 pour 18. Et ça fait 19 derniers matchs qu'elle jouait. Ça fait premier tour Coupe du Monde. Et 19 passes à Mexique, fait 9 victoires, il fait 7 matchs nuls, mais là ces moments sont au mine pour capable d'arriver et se tirer pour sortir la cadre. La brave l'équipe ça, formation sud-coréenne dans le match contre la Suède, il n'y a pas fait aucun tir cadré, donc c'est une équipe qui est dans la zone de vérité, dans la zone de finition, qui manque en pile, il y a besoin, Jean-Claude Coach Abdilla, il y a un monde qui veut devant qui a tiré, surtout attaquant de pointe qui est associé avec son
Jérémy, le 211 sud-coréen, Ishan Wang, lui-même, lui pas capable de porter sa équipe mexicaine face avec la sélection asiatique. C'est donc 3 sorties pour 3 victoires. D'ailleurs, il était battu Corée du Sud 3 goals à 1 en 1998. Et donc, formation mexicaine ça, qui nous a bien comporté jusqu'à présent. 0 goal encaissé en 2 matchs pour le Mexique. La édition 2018, la formation mexicaine nationale qui a surveillé donc suite à la compétition ballon qui a contrôlé par le joueur sud-coréen Sung Yong. Sung Yong qui joue en bataille, possibilité pour y aller à droite et au jeu dans l'axe. Et ballon toujours pour les hommes de Shin Tae-yong et le technicien sud-coréen âgé de 47 ans. Il passe en retrait. Il a passé à les jeunes là, puisque il a passé à l'équipe mexicaine là, puisque pas capable de faire trop grande chose de arriver devant. Il peut faire passer ballon. Terrain, ballon rencontré, lui aller en touche, ou pas même trop, ouais, on joue un coup sous Corona qui montait en deuxième période, on joue un coup à Vian Hernandez, pardon, on joue un coup Giovanni Dos Santos, lui-même l'attaquant et mexicain, j'ai de 28 ans, qui est entré en seconde période, puisque pas trop besoin ça, pas trop besoin de ballon, et que mexicaine avec la une a besoin de sortir, à ce qu'il paraît être une bousculade. Et en bousculade sur Miguel Layoun, arbitre central là, lui campé en contre là, c'est pas le coup franc, puisque joueur sud-coréen, mauvais bail de Yon, on chol lui-même, lui te commettre faute, directeur de jeu, M. Mouad Mazik, qui a la fonti parler avec entraîneur sud-coréen, Shin Tae-yong, qui à ce qu'il paraît pas trop d'accord, décision, M. Mazik, lui-même, lui prend, et oui, il n'est pas d'accord, décision, réalisateur là, permettez-nous, nous, ça, donc, c'est donc Odné et Farah Odné qui a bien géré nous. Gagnetto, Emmanuel Aturin, Gérald Escoufler, Gagnetto, Richie de Gerville, une nouvelle caméra, M. Sao Kiap, M. Dame Sayo, qui a permis de vivre la 21e édition Coupe du Monde là. Et c'est pral, et fondu tout ça, c'est grâce au précieux concours de la présidence de ONA, de Honda, de Etrak. Je regarde un Diblé, parce qu'on n'a pas capoté tout ce qu'on a fait. DGI, EDH, BNC, Eurosiram, Top Towers, Fatma, Keolito, Kasami et puis César. C'est ça, on loue Emmanuel là-dessus, on va raboter vous contre sous tête. J'ai allé scriver une vidéo d'Em, c'est pral le ballon qui allait dehors, à ce qu'il paraît. Et toi, Herrera, il t'a touché. À 2h, tout de suite après Matissa, l'Allemagne, la Suède. Oui, c'est grâce encore à la présidence ONA, Honda, H-Track, Institution Chrétienne d'Haïti, DGI, EDH, BNC, Eurosiram, Top Towers, Fatma, Keolito, Kasami et puis César. Et puis Steven, je vous demande de ne pas saluer le député de Tiburon, M. Belizer. Ah oui, et député Belizer qui toujours bien chez nous et qui toujours été avec nous, lui-même tout qui a pas. Et donc, bah, support, il s'est pris à l'eau couffrant, pour le Mexique, Koufran, sur la faute de Kim Jong-un, qui lui-même a été commettre faute ça. Koufran est centré sur le côté droit de la formation mexicaine, côté gauche pour défense équipe Corée du Sud là. C'est Corona qui prend le balancer. Monsieur Zaki met un blanc dans le chevelu. Ballon balancé. Non, Hector Hera frappé. Reprise là, ballon qui passe largement à côté. Et c'est une sortie de but là avant la formation sud-coréenne, même en temps additionnel. Oui, nous notre additionnel rencontre là, donc c'est toujours 2 pour le Mexique et 0 pour la Corée du Sud, mesdames et messieurs. La Corée du Sud qui va repartir, le renversement sur le côté droit avec Lyon, il fait passe là en profondeur et le Lyon qui va tenter le débordement, l'accélération, il fait passe là, attention à l'entrée de la salle de passion, il mettait frappe là et go. Son Heung-min qui a finalement trouvé la faille de la défense mexicaine. Superbe frappe de l'intérieur du pied droit de Son Heung-min. Oui, le joueur de Tottenham qui finalement s'est illustré. On va voir l'accélération, l'infiltration du joueur et puis crochet sortant, puis il mettait frappe là de l'intérieur du pied gauche. Oui, parce que monsieur son droitier, monsieur mettait pied gauche là, intérieur, et le portier Guillermo Ochoa ne pouvait rien faire. Vraiment super frappe, bel goal du 1907 sud-coréen Sung Heung-min. Très bon goal, M. Jotti de la droite pour aller vers la gauche. Oui, satisfaction pour Shin Tae-yong. Mm-hmm. Et puis le Mexique qui avait Corona, un bon, deux pas bon, monsieur. Ballon là pour la Corée du Sud, très bon retour de Corona.
et pour la question et ballon avec Marquez il fait passe en profondeur pour Miguel Layoun le Mexique à l'offensive. Attention Corona, attention, c'est Chicharito, la bousculade sur Chicharito, mais c'était histoire de conserver le ballon. C'est 68e goal qui est inscrit dans la compétition ZAB, 28 matchs. Et avant, dans le match, tout match de goal. Et l'Uruguay, c'est l'équipe qui n'a pas encaissé goal jusqu'à présent dans la compétition. On a une équipe qui joue deux matchs, Mexique, lui-même, double goal. Et donc, formation Uruguayenne avec qui lui-même joue deux matchs, deux victoires, toujours sous le stick minimum, face à l'équipe Égypte et encore face à l'Arabie Saoudite. Et formation Uruguayenne, c'est seul représentant sud-américain qui fait 6 points. Alors c'est seul représentant Amérique qui fait 6 points. L'Amérique dans l'ensemble, formation qui pas pris un goal alors pour aider Mexique pour aider avec un autre représentant de l'Amérique qui fait 6 sur 6 pour deux matchs qui ont joué. Le dégagement du portier et coréen, ballon récupéré avec Chicharito pour le Mexique. Très peu de temps à jouer. Attention, et la Corée récupère le ballon avec Yang Yung-so, le ballon toujours avec le buteur coréen Son Min, mauvaise passe, le Mexique à l'offensive. Attention, ballon en jeu là, est-ce qu'il a fait passe là en hauteur? Non, le Mexique à l'offensive finalement, toujours dans le camp sud-coréen, il tourne sur lui-même, Miguel Layoun, ils ne sont pas pressés les Mexicains, le renversement de Rafael Marquez à destination du dossier 23 Mexicain, encore le Mexique, Rafael Marquez, la passe instantanée pour Corona, Rafael Marquez, il fait passe là, la passe à Vel, parce qu'on est Jean-Rafael, pas qu'à foutre pas bon, et puis c'est le portier Guillermo Ochoa, le portier mexicain, et à l'extérieur de la salle d'opération, qui va faire un long dégagement, c'est ce qu'il fait, et au moment où nous parlons, c'est la fin de cette rencontre de football, la désolation dans le camp sud-coréen, la joie du côté des Mexicains, qui du même coup se qualifient pour le prochain tour de la 21e édition de la Coupe du Monde, Russie 2018, Mexique totalisé 6 points, mais groupe 1, donc ce qui veut dire